Salut à tous, bienvenue sur le Trikaya Live, c'est parti pour une nouvelle session du mardi. Eh bien écoutez, je suis bien content de vous retrouver, je crois que j'ai regardé ce qui s'est passé à gauche. Non. Je sais pas si ça va passer sur Twitch, ça, Nico. Ah, on verra. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Normalement, vous m'entendez correctement. Normalement, vous me voyez correctement, sauf sur Facebook. Écoutez, je sais pas pourquoi ça change tout le temps d'interface Facebook. Ça a merdé. Donc, les gens de Facebook rapatriés sur Twitch ou YouTube, je suis désolé pour vous. Je tâcherai de faire un truc qui marche la prochaine fois sur Facebook, mais... Je sais pas, j'ai tout fait comme d'hab, et puis là, ça marche pas. Donc. Alors, on a tout le monde qui est les chers habitués. Fred Bullard, ouais, le premier. Hello les amis, salut Fredo. Richard Gentil est là, salut à toi. Jean-Florent Bocher qui est là. Philippe Caillot, salut à toi. Ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Je sais même pas si je t'ai déjà vu passer sur le stream. Eddie Villaume, Stéphane, Xavier Barbeau, Kevin Banks, Grégory Bouchu. Eh bien, salut à vous, en tout cas sur la partie YouTube, sur la partie Twitch. On a Sauvé, notre cher habitué Sauvé, SGKZ, Mediamu, salut Arnaud, et Smad91. Eh bien, salut à tous. Écoutez, aujourd'hui, nous allons discuter, tchatcher, papoter avec Nico Robino, le responsable, enfin l'un des deux associés plus exactement, autour du projet Tirage Gagnant. Il nous en dira plus tout à l'heure. En tout cas, il est là dans les coulisses. Et, et voilà. Et lol. Et il est même dans les coulisses du chat de YouTube. Donc, Nico, écoute, je te laisserai la parole juste après avoir annoncé les news qui vont passer. Si je fais n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, je fais n'importe quoi. La semaine dernière, nous avons eu Sylvain Perronnet qui est revenu. Alors, je vous avais fait une surprise fin d'année où il y avait Sylvain Perronnet. J'ai fait intervenir Sylvain Perronnet début d'année. Bon, ça, c'était prévu depuis un moment. Voilà, ne vous dites pas que j'ai des préférences, même si j'en ai en vrai. Hein, mais... Non, clairement, il m'a fait bouillir le cerveau. D'habitude, je parle plutôt pas mal. C'est quand même mon stream, donc je parle. Mais là, vous avez dû remarquer que j'étais pantois. J'étais ouais, ok. Donc ouais, c'était vraiment très 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 instructif. Et franchement, moi, j'ai bien kiffé. Je vais mettre ça en application et puis on va certainement mettre ça au sein du Urtex Guru dans quelques temps. Donc c'était à propos de la catégorisation SEO automatisée. Je vous laisse aller voir le replay. Je vous invite plutôt à aller voir le replay sur Twitch parce que le replay YouTube n'est pas d'une excellente qualité. D'ailleurs, j'ai encore une qualité de merde sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi. C'est compliqué, hein, le live, hein, je vous assure. C'est pas simple. Qu'est-ce qu'il me dit ? État du flux. Erreur, veuillez utiliser une fréquence d'image clé inférieure ou égale à 4 secondes. Actuellement, les images clés ne sont pas envoyées assez fréquemment, ce qui peut entraîner une mise en mémoire. Ouais, mais je ne peux pas changer ça en live, mon petit YouTube. Eh bien, écoutez, vous allez vous débrouiller avec ça. Ouais, ça marche sur YouTube. Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît ? Bon, de toute façon, ça va être du just chatting où vous n'aurez pas grand-chose à voir, à part notre invité, évidemment. Il est con. Ah là là, il vous a réservé une surprise, je vous explique pas. Vous verrez. Bon, dites-moi, en tout cas, faites-moi des retours. Quelle idée aussi de streamer sur une plateforme, sur une autre plateforme que Twitch. Écoute, je stream un peu partout, c'est rigolo. Ouais, c'est bon sur YouTube. Bon, alors on est parti, les amis. Alors, par rapport aux news, on a la quatrième édition de Optimiser son référencement WordPress qui est édité, écrit par Daniel Rock, qui est sorti, qui est dans les bacs. C'est un livre que je conseille à tous les gens qui font du SEO et du WordPress. Clairement, c'est une superbe référence. On a le premier Poker SEO de l'année qui sera organisé plus exactement le jeudi 27 janvier 2021 à 21h. Vous pouvez déjà vous inscrire. La room est déjà prête. Vous avez le
putain, je vais trouver mon mot. C'est pas comme si j'en faisais tous les soirs. Vous avez le tournoi qui est prêt. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire et soyez présents. Il y aura des lots, des choses à gagner. Si vous voulez plus de détails, Lolo a publié une page directement sur son blog. Olivier de chez SEOlizer, qu'on a déjà vu à multiples reprises sur ce stream, nous a concocté une nouvelle feature. Alors, je pense que c'est un truc qu'il a dans les cartons depuis très longtemps parce que c'est vraiment du très lourd. Là, il a fait carrément une feature, une fonctionnalité plus exactement, excusez-moi, qui permet de comparer des crawls et de comparer tous les KPI qui sont gérés dans l'outil directement sur les crawls. Donc ça, franchement, on arrive à des choses là qui vont commencer à taper dans le dur. Et Olivier, si tu nous regardes, chapeau, bravo. Donc, je vous laisserai aller lire le petit message, le petit thread qu'il a publié sur Twitter directement. Il nous donne plus de détails, il y a plein de graphes, etc. Enfin, voilà, bref, il s'est vraiment sorti les doigts et ça nous fait une super feature en plus. Et je pense que, clairement, il va nous en faire plein d'autres, des surprises comme ça. Et voilà, je tenais à en parler parce que c'est quand même quelqu'un qui bosse bien et qui mérite qu'on le mette en avant. Le Wheel of Speed, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Donc la date officielle a été calée au 28 janvier 2021. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, vous pouvez réserver votre place. Si je ne m'abuse, je crois que c'est un tarif libre. Allez jeter un œil, vous allez voir, il y a une super équipe là qui va parler de webperf, ça va chier quoi. Je bois un coup. Le 26 et 27 janvier, normalement je devais être en ski. Ouais, sauf que c'était sans compter sur le gouvernement et sans compter sur le Covid surtout. Donc, 26 et 27 janvier, je ne serai pas en ski, malheureusement. Par contre, j'ai un superbe lot de consolation, c'est que il y a la masterclass qui se déroule le 26 et 27 janvier. Et donc, je vous en avais parlé, hein, mais je vais me faire un petit coup de refresh. Et donc, je serai présent à la masterclass moteur plus SEO des frères Perronnet. Je vous invite à venir. Franchement, ça vaut le coup, ça vaut carrément le coup. Le Discord est toujours disponible, tourne toujours, de plus en plus d'abonnés. C'est une plateforme d'échange hors stream qui permet aussi de résoudre certains problèmes, des questions que vous vous posez, etc. Évidemment, tant que ça reste pas trop compliqué. Mais on a plein de bonnes âmes qui sont toujours là pour soit pour répondre, soit pour poser des questions d'ailleurs, puisque ceux qui posent des questions sont aussi des bonnes âmes. Pour rester informé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, que ce soit sur YouTube si c'est votre plateforme préférée, que ce soit sur Facebook si c'est votre plateforme préférée. Malheureusement, aujourd'hui, hein, ça ne marche pas Facebook, comme je vous disais en début de stream. Et sur Twitch, vous pouvez aussi cliquer sur follow. Twitch se lance au démarrage de votre ordinateur, normalement, hein, si vous ne désactivez pas la fonctionnalité. Et vous aurez une petite alerte, une petite pop-up qui se lancera quand les chaînes abonnées sur lesquelles vous êtes abonnés se lanceront. Ok, et sans plus attendre, hein, je vais tout de suite afficher notre cher Nico Robino. Attention Nico, je crois que tu n'es pas centré et il est nu, il est vraiment nu. C'est fait exprès que ce soit pas centré. Ah ouais, ok. Ah, attends, je te centre. Normalement, t'as le retour écran. Ouais, bienvenue à toi. Nico, bonjour. Alors attends, je vais me décaler. Non. Non. Non, je vais te recaler moi si tu te décales. Ah merde, là, attends. Tu vas être à moitié. Ouais. Bah, vas-y, t'as le retour écran. Tu fais comme... Non, c'est juste pour. C'est pour mon super fond là. Regarde derrière. Ah. J'avais pas vu tout mon fond. Non, j'avais pas vu tout le fond, non. Ok, donc tu es en train d'envoyer. Il y a Thaï qui est parmi nous. Salut Thaï. Salut Thaï. Ça fait longtemps. Bon, Nico s'est mis nu. On peut couper le stream, quoi.
Donc Nico, toi tu Ouais. es un des associés, vous êtes deux hein, sur le projet Tirage Gagnant qui tourne depuis combien de temps d'ailleurs? Février, 22 février 2013. Ouais, donc ça commence à dater un petit peu. Ça commence à faire, ouais, ça fait bientôt, t'imagines, ça va faire 8 ans là. Oh, ok, C'est fou. donc il va falloir te rhabiller puisqu'on est en train de me glisser dans l'oreillette que je vais me faire ban de Twitch. Ah putain. Parce que même soft, la nudité pour les hommes apparemment est interdite. Donc voilà, je pense que je suis déjà ban de Twitch. C'est trop tard. Mon Twitch, si vous nous regardez, c'est une blague, mais je pense que ce sera surtout un algo qui regardera. Donc voilà, c'était pour la blague. Écoute, normalement j'ai tout prévu, si on est pas mal, ouais tu vois, c'est pas mal. Ah, il y a Didier qui est là. Salut Didier. Il est très déçu parce qu'il pensait vraiment que tu allais être dans ton camion, mais non. Non. Donc toi, tu es à Strasbourg maintenant. Ouais, c'est ça, on est arrivé à Strasbourg en novembre dernier, et puis du coup à la suite du Tour d'Europe là de un an. Et puis, écoute, on aurait voulu vivre la vie strasbourgeoise dans son entièreté, tu vois, on est en plein centre, donc trop bien, on a une localisation géniale, sauf qu'on a eu le Covid, donc en fait, moi qui adore les restos, moi qui adore les bars, moi qui adore tout ça, moi qui adore les sorties autres, bah, c'est un petit peu cramé, mais bon, écoute, c'est parti remise. Oui. Bon, ce petit tour du monde, enfin ce petit tour d'ailleurs, c'était pas un tour du monde, c'était. Raconte-nous un petit Non. peu cette histoire-là, c'est une belle histoire ça. Bah écoute, ça fait, allez, ça fait depuis 2008, je crois. J'avais acheté un Volkswagen californien, pas un californien, un Volkswagen de 71, Westfalia, donc les vieux avec les gros VV dessus. Et puis c'était pour partir en festival, pour partir en vacances et tout ça. Et donc c'était génial, j'ai adoré, adoré, adoré. Sauf que la problématique, c'est que ça bouffe de l'huile. C'est que je suis pas bricoleur pour un sou. Et donc finalement, rapidement, j'ai vu les limites de ce truc-là. C'est-à-dire que c'était sympa pour faire quelques régions, mais dès qu'il fallait aller imaginer des sorties de frontières, c'était compliqué. Ouais. Donc du coup, en 2012, j'ai opté pour un Volkswagen T5 California. Donc ça, c'est un peu plus sympa. C'est le même modèle, version 40 ans de plus. Donc là, on a bourlingué avec les potes, voilà, tous les étés, on bourlinguait, on a été en Turquie, en Grèce, voilà, bon, bref, Portugal, Pays-Bas, Irlande. On s'est un peu amusé partout sur ces routes-là, les Balkans, et puis, pardon, c'est Covid. Et Oh puis, non. du coup, ensuite est venu le moment avec ma compagne où on avait en fait envie de partir sur les routes comme ça. S'est posé plein de questions, les questions du boulot, parce qu'elle quittait son travail, moi je continuais à travailler, il fallait absolument garder une connexion. En même temps, c'était une année qui était un peu off, donc l'idée c'était pas de travailler tout le temps pour profiter. Et donc en 2018, on a opté pour un nouveau modèle, un truc un peu plus grand, sur une base Sprinter, toujours en mode fourgon aménagé. Et puis l'idée c'était d'avoir tout pour être chouette, donc de la douche chaude et tout ça. Et puis on a fait un parcours qui nous a emmené de l'Espagne jusqu'au Nord Cap, en passant par la Grèce, l'Italie, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, les pays baltes. On a monté par la Finlande, gros coup de cœur de l'Europe. Puis ensuite, on a fait Norvège, Suède, Danemark. Et on est revenu du coup en novembre 2019 en France. C'était une super épreuve de vie. Voilà, pour faire très court, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble avec ma compagne. On a vécu plein de choses et on est très 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 fusionnels. Du coup, c'était pas du tout la proximité avec le camion qui nous faisait peur. Mais en fait, ça a levé plein de choses et donc on a beaucoup appris. Il y a eu des hauts, des bas. En tout cas, Ouais, c'est ça doit vraiment être une belle fort. épreuve, ouais. Ouais, vraiment vraiment formateur. Plus que ce qu'on avait finalement imaginé. Voilà. Donc du coup, on était censé partir 2 ans. On est reparti qu'un an. On est arrivé. Covid est venu, donc finalement, on a bien fait de revenir. Et Ouais. puis, c'est pas exclu qu'on reparte d'ici quelques temps. Pour quelques mois et peut-être encore se faire une petite année. Voilà.
pour l'idée. Ah, j'avais fait la côte portugaise, on avait fait la côte portugaise, enfin la côte nord-Espagne et portugaise avec Agathe en camion. C'était génial. Ça nous a pris 3 semaines, Ok. mais c'était magnifique, quoi. On a fait tous les spots de ouf. On est allé apporter du comté à un ami d'amis sur le nord de l'Espagne pour commencer, qui a commencé à nous indiquer des endroits, des spots qui ne sont pas des spots à touristes dès le départ. Et en OK. fait, là, moi, j'ai tout de suite matché en disant, non, mais attends, en fait, tout le long du voyage, on va aller rencontrer les locaux. Quelle que soit la langue, tant pis, on va se débrouiller et puis on va faire connaissance, on va boire des canons, puis on va leur demander où est-ce qu'eux, ils vont se Où est-ce promener, qu'il quoi. faut aller? Ouais, Et clairement. on a fait comme ça et c'était magnifique, quoi. Donc Ouais, après, ouais, vous avez fait beaucoup plus loin. ouais, alors après, du coup, c'est pas du tout une question de distance, tu vois, pour te dire, je pense qu'on pourrait autant s'amuser en faisant un an en France. D'ailleurs, en vrai, la non-barrière de langue pourrait sans doute aider. Tu vois, il y a des pays, je pense les Balkans, je pense Roumanie, il y a des pays quand même où l'anglais est compliqué, puis leur langue maternelle, c'est très compliqué. Et en fait, faut aussi voir que, en fait, ce qu'on a appris, il y a plein de gens, tu vois, qui va avec plein d'idéaux, avec on va rencontrer le monde entier, d'autres cultures. Bon, la réalité, c'est quand tu peux pas aligner plus de 3 phrases, c'est quand même compliqué d'aller un petit peu profond, tu vois. Donc en fait, tu restes en affaire du tourisme, c'est pas forcément mal, mais que tu dises pas que tu vas découvrir la culture mondiale, tu vois. Donc voilà. Donc finalement, tu vois, que ce soit le Portugal ou tous les autres pays, moi je trouve que c'est surtout le côté libre de ces fourgons. En France, ça devient compliqué parce qu'on commence à avoir des restrictions, mais c'est vraiment, enfin pour moi, c'est genre un hôtel où tu vas te poser où tu veux. T'as la terrasse que t'as envie d'avoir. Ta piscine, c'est ton lac. Enfin bref, tu peux tout imaginer, tu vois, si tu veux être là-dedans. Et ça, c'est quand même top. Alors nous, on a un modèle 4x4 là pour s'amuser un petit peu, pour s'enfoncer justement dans certains pays pour éviter d'avoir trop de sentiers battus entre guillemets. Mais c'est juste trop bien. Je recommande à tout le monde, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est un des applicatifs positifs de notre état d'éditeur de sites internet et de personnes qui sommes que deux. T'as vu, je te fais un petit pont là. Tu vois, Tu fais un voilà. petit pont avec la question. Bonjour perso, je suis plutôt venu pour les conseils d'investissement. C'est bien prévu, point d'interrogation. Benji, bah écoute, je pense que c'est un bon investissement, un camion. Alors, écoute, non, en tout cas, il y a des boîtes qui se sont lancées dans la location de camping-car. Et écoute, franchement, pour ceux qui ont envie de s'amuser un peu, tu regardes, c'est vraiment très intéressant. Si tu habites une région un peu touristique et que les personnes restent dans le coin, faut savoir que, par exemple, j'avais loué mon ancien en California. Je le louais à la semaine, c'était genre 700 balles, tu vois. Donc, c'est le prix d'un mobil-home, en fait. Et si tu fais en sorte que la personne, elle ait tout intérêt à rester dans ta région, bah en termes de kilométrage, franchement, ça fait quasiment rien. La personne, elle a vécu 6 jours dedans. Toi, tu fais un joli petit livret pour qu'on te casse pas tout dedans. Et ça peut être intéressant. Donc c'est à réfléchir. En tout cas, vu le prix de ces véhicules, qui sont quand même très chers pas pour ce que c'est, mais qui sont quand même très chers dans l'absolu. Ah ben Euh, oui, tu c'est vois. clair. California, c'est 70 000 balles neuf, 40 000 en occasion, 4G, 120 000. Donc bon, c'est quand même très cher. Après, ça décote pas trop. Donc du coup, cette option de location pour celui qui a envie de pallier un petit peu le coût de l'achat, c'est pas mal. Ouais, Pas non, comme mais puis conseil. si tu mets au regard un mode hôtel où tu devrais aller payer des chambres d'hôtel à chaque fois, finalement, C'est ça. c'est. C'est ça, c'est un peu Ça ton peut être hôtel intéressant, que quoi. t'achètes une fois. Ça peut être intéressant. Bon, après, si c'est vrai que la connexion, elle peut être chiante, hein, parce que tu disais que c'est possible quand on est éditeur de site, etc. Je pense qu'il y a quand même plein d'endroits où vous êtes allé où il n'y avait pas de connexion. Alors écoute, figure-toi que le pays où il y a le moins de connexion, C'est c'est la la France. France. Et ouais, c'est la France, parce qu'en fait, dès que tu sors d'un lieu avec de la population, il n'y a plus rien. Et alors ça, tiens, vas-y, je veux faire un... C'est intéressant là-dessus. Donc, juste en 2 minutes, on a été... J'avais aucune idée de ce que j'allais trouver dans les pays baltes. Pour moi, Estonie, Lettonie, Lituanie, ça ne m'a
ça ne m'apportait pas grand-chose, en fait. Ex-URSS, trois petits pays, bon, ok, on va voir. Et en fait, c'est des pays, alors je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais j'imagine qu'ils ne sont pas comme nous en pluri-opérateurs. Et tu vois les antennes relais, en fait, tu les vois à tous les 4 km, tu les vois. Et c'est des pays, genre la Lettonie, c'est un pays quasiment, on dirait les Landes, tu vois. C'est-à-dire que c'est plat, il y a énormément de bois, quasiment que de la piste. Et clairement, à aucun moment on a été déconnecté. C'est-à-dire qu'ils réussissent, alors eux c'est des petits territoires, mais ils réussissent à couvrir tout leur territoire. Et en Finlande, on a eu le même truc. En Finlande, partout, pourtant on a tout fait, hein, de Helsinki jusqu'à Inari dans l'extrême nord, jamais on a eu de problème de connexion. Parce que j'imagine que dans la forêt, il y a des peuples Sam, des peuples nomades du coup, et des mecs, en fait, ils ont réussi à couvrir l'intégralité de leur pays, justement par le biais, je mets dans l'antenne relais, tous les 5 bornes. Enfin bref, en tout cas, c'était incroyable, on n'a jamais eu de problème. Les seuls problèmes qu'on a eu, c'est en Norvège, parce que là, on a des volumes hyper, enfin des altitudes hyper accidentées, tu vois bien des espèces de montagnes, et puis si tu es derrière la montagne où il y a l'antenne relais, tu captes plus rien, quoi. Mais de toute façon, on faisait ça un peu en sorte, hein, c'est-à-dire qu'on se posait un peu tôt, entre guillemets, et puis on restait peut-être 2, 3 jours. Mais en fait, l'idée, c'était de tester, tu vois, si je pouvais bosser, ben, on restait là pendant 2, 3 jours. Puis sinon, non. Mais bon, bosser, tu vois, je m'étais mis dans la tête, je faisais quelque chose genre 8, 10, 8, 10, 30, comme ça, quoi, pour avoir une vie. Ouais, ben ouais, Pierre Calvet, ouais, c'est justement ce qu'on était en train de dire. Ouais, c'est la France où il y a le moins de connexions. Hein, par contre, il nous dit que les prix sont pas les mêmes. Alors, pour ce qui est de la, alors pour ce... franchement, pour ce qui était connectivité, ce qui est génial, c'est que nous, moi, je naviguais avec 2 forfaits, un forfait free, un forfait Bouygues, et en fait, j'avais, je crois que j'avais 40 gigas étrangers sur le Bouygues et puis quelque chose comme 20 sur le free, et avec 60 gigas, j'avais de quoi bosser. Bon, je suis pas un gros consommateur, et puis on stream des séries ou des films. Mais via, tu vois, c'était, je sais plus quoi, tu sais, tu télécharges sur je sais plus trop quel truc. Enfin bref. Et en gros, on réussissait, quoi. Tous les mois, j'étais jamais en forfait, jamais, je pétais jamais la data. Et Ça, puis si après ce stream, on se fait pas virer, je me fais pas virer non, Twitch, je sais. non. Et non, bref. En tout cas, c'était franchement cool pour ce qui est de la tarification. Après, c'est plus le coût de la vie. Et en fait, c'était marrant. On s'était fixé comme budget mensuel 2 000 euros. Et en fait, on a remarqué qu'on l'a tenu, le budget, que ce soit en Bulgarie ou en Norvège. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait 400 euros en Bulgarie et on n'a pas fait 5 000 euros en Norvège. Donc, on a toujours réussi à tenir ce budget. Et par contre, on est d'accord que genre pour la Norvège, on a trouvé des petits tricks hyper sympas. Tu vois, genre le prix du gazole, il diminue de 30% sur la semaine. C'est genre, ils se font recharger le lundi, il est hyper cher. Et le dimanche, il est beaucoup moins cher. J'avais demandé à quelqu'un comment ça se faisait, et je sais plus trop pourquoi il y avait des espèces de je sais pas comment étaient calculés les. Ah, je crois qu'on t'a perdu, Nico. Merde. Ah non, c'est Tu m'as bon, là? c'est bon, ouais, c'est bon. Ouais. C'est ma connexion internet qui est instable, qui disent. Donc voilà. Donc en gros, c'est vraiment, pour moi en tout cas, ça a été chouette en Europe, et puis ça a évité toutes les problématiques justement de connexion. Et ça vraiment, c'est vraiment chouette. Et par exemple, pour la Norvège, là, plus manger de patates, en fait, faut savoir que ce qui est hyper cher en Norvège, ce sont les produits importés, notamment les produits type pâtes ou riz. Donc, dès que tu commences à aller taper dans, je sais pas moi, là-bas, ils ont beaucoup de patates d'ailleurs. Mais je sais pas, moi, manger beaucoup de saumon fumé, manger beaucoup de ça. Et en fait, c'est les mêmes prix que la France, voire moins cher. Après, moi, je suis habitué à, on a un gros panier moyen d'alimentaire, même en France. Donc, voilà. Mais la grosse différence, par contre, elle se fait dans, tu vas pas au restaurant en Norvège, parce que ce qui coûte cher, c'est le coût de la main-d'œuvre. Donc, en fait, même si le resto il est moyen, tu vas déjà te faire niquer 70 balles. Par contre, du coup, quand tu vois la Norvège, t'as quasiment rien à faire autre qu'à manger ton alimentation, puis à aller voir dans la nature ce qui se passe. Il y a rien qui est payant, en fait. Donc, à partir de là, tu peux tenir aussi ton budget. Pour le coup. Ok. Mais ça devait être une belle aventure, ouais. À refaire ou pas? Ah ouais, à refaire avec des différemment, mais à refaire, clairement. Qu'est-ce que tu changerais? Je changerais mon état d'esprit.
J'avais un état d'esprit très touristique avec les choses à faire que je voulais voir, machin, machin, pour quelque chose de beaucoup plus libre en justement quand je te parlais du côté France, bah c'est l'idée quoi. C'est au pire on reste une semaine dans un endroit et puis tu randonnes et en fait tu profites de ton instant, tu profites de tes espaces où tu es. Et clairement c'était marrant, c'était pour la petite anecdote justement, on a été en Norvège et puis on s'est fait, nous on adore en fait les villes. Et donc, on trouvait ça génial de voir que tout le monde dans les pays nordiques fuit les villes parce que tu vas avoir la nature. Donc, ce que je comprends, par exemple, c'est à 15 jours. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans ces pays-là, 85% de la population vit dans les villes. Ouais. Donc, si tu veux un peu voir, entre guillemets, des Norvégiens, mieux vaut aller dans des villes plutôt que d'aller dans une varap où il n'y a qu'en fait que des touristes. Et donc, c'était intéressant parce que à la fin d'un café-concert, on arrive, puis on a sympathisé avec un groupe du coup norvégien qui venait taper un bœuf, là. Et puis, on leur disait, moi, j'étais, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire chez vous, là? Il nous reste 2 semaines dans la région des fjords, de machin. Puis le mec, il est là, il m'a dit, bon, alors, en fait, moi, j'ai pas fait hein, tous les grands fjords. Si tu veux une expérience norvégienne, tu te poses dans un endroit un peu en altitude, tu as une vue sur un fjord qui te plaît, mais en fait, tu y restes juste 5 jours. Tu fais rien, tu regardes, tu contemples et puis t'as ton expérience norvégienne. Donc j'avais trouvé ça trop bien. Alors on l'a pas fait comme ça, mais en tout cas dans l'état d'esprit, c'est vraiment celui-là que j'aimerais garder pour les prochaines fois, quoi. Ok. Le contemplatif. Ouais, en tout cas, c'est surtout le côté profiter à mort de l'endroit, la personne elle est quittée pour le coup. Et pas faire la course aux étoiles Michelin, mais tu sais, le guide vert, où t'arrives, tu fais, tiens, faut faire ce spot. Donc voilà. Mais c'est Ouais, bah dur, hein, ça. c'est un peu le délire qu'on avait au début aussi quand on a fait le tour de l'Espagne, enfin de la péninsule ibérique. Et puis au final, ben, tu vois, tu arrives à Porto, tu t'avais prévu de rester un jour parce que tu veux faire tous les trucs, machin. Puis à un moment, tu fais non, mais on est bien ici. Et on a passé 3 jours au lieu de un. Puis au final, ouais, enfin, on l'a. Ouais, c'est vrai que ça offre cette liberté-là, en fait. Évidemment, il faut quand même trouver quelques campings. Enfin, nous, on n'avait pas de douche, hein, dans le camion. Donc, voilà quoi. Ah ben, on a Olivier qui est avec nous. Tiens, Olivier Papon. Salut Salut Olivier, Olivier. j'ai parlé de ta new feature. Et on a Pour te... Vico La Chips qui nous dit, Vas-y. j'ai pu visiter Tromsø en Norvège. Magnifique, il dit. Alors nous, on a évité Tromsø parce que du coup, en été, c'était apparemment moins sympa et qu'on doit faire des coupes. Et pour répondre à taille, justement, vu que c'était l'été, nous, on a vécu la non-nuit, mais pas les aurores boréales. Voilà. Mais c'est à refaire, il Ah faut y retourner. oui. Avec des pneus cloutés, faut y retourner. Ouais. Merci Olivier pour les lunettes. Oui, j'ai investi dans des nouvelles lunettes. Après 2 ans de travaux, elles avaient pris un peu trop le plâtre et elles étaient un peu abîmées les autres. Donc voilà. Ok, les aurores boréales, ouais. Donc non, t'as pas eu cette chance, quoi. Non, pas eu cette chance. Mais du coup, ça se fait vraiment. L'idée, ça serait de le refaire en hiver. Et en fait, pour voir les aurores boréales, le meilleur pays, c'est la Finlande. La Laponie finlandaise, c'est l'endroit où le ciel est plus dégagé, alors que la Norvège a énormément de côté marine. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des trous. Voilà. Donc, pour ceux qui ont envie, la Finlande, tu as la meilleure latitude et puis tu as la meilleure côté plaine, tout ça. Ok. Ah, nous, on aimerait bien se faire l'Islande quand même. Ça, c'est. Vous avez pas fait, je pense. Alors non, c'est dans un projet, c'est pour ça qu'il est équipé 4x4 aussi, c'est pour aller se faire l'Islande. Je pense que c'est un super terrain de jeu. C'était Simon qui l'a fait, lui, en louant un 4x4 sur place. Alors ils se sont amusés, sauf qu'ils l'ont fait en septembre. Il aura plu sur la tronche pendant Ah, trois merde. semaines sur les quatre. Et il faisait 2 degrés, donc ils étaient eux en tente. Donc ils sont bien sortis de la fameuse route 1, la circulaire. À Mais l'enfer. ouais, ça a été un petit peu dur, je crois. L'enfer. On a Kevin qui nous confirme que l'Islande, c'est fou. Ouais, ça doit être complètement fou, l'Islande. Ouais. Ça doit être purement génial. Bon, on va On va atterrir. refermer cette parenthèse voyage. On va atterrir un petit coup. Ouais. Raconte-nous l'histoire de tirage gagnant,
en passant par le spirit du SEO éditeur, de site, du côté de l'éditeur, en fait. Je Ouais. pense que je ferais quand même une table ronde, un de ces quatre, avec réunis des gens qui sont in-house, des gens qui sont éditeurs et des gens qui sont en agence et des consultants indépendants. Ça peut être Ok. intéressant. Raconte-nous. Ok. Écoute, je vais remonter un peu plus loin, parce que je pense qu'il faut remonter un peu plus loin pour trouver la réponse. Mais je me rappelle, j'ai eu une connexion tardivement avec Warcraft 3. J'étais en troisième, donc ça doit faire quelque chose comme 2004. J'étais pas du tout. Donc je suis issu d'une famille populaire, on va dire, avec ma maman qui travaillait, les retoucheuses. Là, on était quatre, vivant HLM pendant 20 ans, 25 ans. Et donc, du coup, rapidement, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai eu envie de bricoler. Alors moi, je savais pas trop faire de mes mains, donc j'ai bricolé du clavier. Et donc, je suis de la génération trentenaire qui a participé au forum des joueurs.com. S'il y en a parmi vous là qui ont fait ça, c'était un vieux truc. Et puis après, je me suis retrouvé sur rentabiliser.com, pareil. Donc c'était là déjà où il y avait le premier cursus un peu entre guillemets de professionnalisation, même si c'était pas l'idée du tout à la base. Et donc bah, en bricolage, par exemple, il y avait l'histoire des allopasses. Donc pour ceux qui connaissent, l'idée c'était d'avoir des codes allopasses beaucoup moins chers que le côté surtaxé, et puis les amener sur des sites d'instant gagnant pour réussir à se faire payer. Enfin bref, il y avait tout plein de choses super sympas comme ça. Il y avait les bucks à l'époque. Je sais pas si les gens aussi avaient ça. Les bucks, c'est un peu comme la crypto-monnaie, mais version sans vraiment rien. C'est-à-dire que c'était le pur Ponzi. On te disait c'est 10% par mois, et donc le but c'était d'avoir le plus de nouveaux entrants. Puis à un moment donné où ça marche plus, donc en fait les premiers entrants ils gagnent de l'argent, puis les derniers se font plumer. Voilà, tous les PTC, les machins, enfin bref, tout le début du surf rémunéré, sondage, truc à clic, les incentives à 0,04 centimes, enfin voilà, tout ce machin-là avec les autosurfs. Donc voilà, donc j'ai commencé là-dessus en fait, bon pour gagner des clopinettes, hein, et donc en 2008. J'avais lancé un site fontaineacode.com qui était une newsletter qui donnait des codes pour des sites de jeux gratuits, Find Jeux, Prizee, genre des trucs. Toujours avec ma technique. En fait, j'avais décidé de me servir de la technique des allopasses pas chères pour donner des codes et faire grossir une base newsletter. Le modèle de monétisation était basique. Il y avait des annonceurs de jeux concours à l'époque déjà. Et puis le but c'était de faire de la Coreg, enfin, du CPL, ça, classique. Bon, ça n'a pas fonctionné de folie, hein. Enfin, c'était sympa, mais je pense que je le faisais mal. Et puis c'était quand même, je pense, une cible qui était soit comme moi, mineur, ou presque. Et puis ensuite, il y a eu la crise économique. Et puis j'ai fait un site, criseéconomique2008.com, un peu pourri, hein, faut le dire. Et je faisais de la récup, je faisais de l'agrégation de contenu. Et puis je récupérais en fait. Du contenu du Figaro, de tout ce qui se passait. Je faisais un vulgaire copier-coller. Les pages, elles s'appelaient news1.php, news2.php, news3.php. Et en fait, le site, il a décollé de folie. Il était deuxième sur crise économique. Enfin bref. Et à cette époque-là, en parallèle, faut savoir que j'ai un bac ES. Et puis ensuite, je suis passé, enfin, je me suis foiré en fait. Hein. J'ai fait une première année de fac en licence d'histoire à Nantes. J'ai fait les 6 premiers mois, le premier semestre du coup, ça allait à peu près. Puis le deuxième semestre, pas de bol, dès le premier jour, on me file tous les cours sur une clé USB. Du coup, je suis pas allé dans les cours du deuxième semestre. Puis bah, je suis pas passé mes partiels du deuxième semestre. Donc voilà, l'année suivante, je suis revenu sur Angers pour faire une licence d'informatique. Là, en fait, j'ai découvert qu'il fallait avoir un bac S, ou en tout cas savoir ce que c'était des maths et de la physique-chimie. Donc là, j'ai abandonné dès la première semaine. Donc à partir de là, je me suis lancé dans la volonté de faire un BP Caser, un diplôme de moniteur auto-école. Et puis en fait, comme je venais juste d'avoir mon permis, et que au sortir de cette formation, j'aurais pas pu enseigner, eh bien, ils m'ont recalé.
Et là, ça m'a foutu un sacré coup dans la gueule. Je me suis dit, putain, on est en 2008, j'ai un site sur la crise économique, je vois clairement que les personnes non qualifiées comme moi vont en chier grave. Et du coup, j'étais un peu mal. Je passais mes nuits à faire du poker en ligne. J'ai fait mes meilleures perfs pendant cette période-là. Ah ouais, mais bon, c'était l'Eldorado. Ouais, non, et puis non, c'était vraiment. Enfin bref, ok, donc c'était compliqué. Et puis, écoute, avec ce site, je suis tombé sur une offre d'emploi qui faisait référenceur web à Bordeaux. Mathieu Deloume, il s'appelle la personne qui m'a recruté. Et j'y suis allé. Et genre, je savais pas ce que c'était que référenceur web. Et j'arrive, puis le mec, bah, voilà, il me demande ce que je fais dans la vie. Et puis je lui dis clairement bah, que, enfin, ce que je fais avec mes sites, quoi. Donc le site crise économique qui rentre bien et tout ça. Puis le mec, il était impressionné, tu sais. Puis il disait, ah, bah, c'est bien, c'est bien. Puis ouais, tu vois, je disais ça, ok, bon. Mais genre, j'avais jamais entendu parler de sitemap, j'avais jamais entendu parler. Enfin, c'était à l'époque, je devais être sur WebRank Info en mode troller, tu vois. J'étais Jesus Ridiculte en train de me battre avec Estio Rockstar Borelli. Sur des théories de hippie, je crois. Enfin bref. Donc du coup, tu vois, j'étais bien loin de tout ça. Et en fait, les mecs m'ont recruté et je suis passé 6 mois là-bas. Et en fait, c'est là où les mecs, Mathieu Deloume, du coup, m'a vraiment cadré en fait. Et c'est là où j'ai découvert le job de SEO plus que moi qui m'amuse à bidouiller. C'était, ah oui, d'accord, on peut bidouiller, mais en fait, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Donc voilà, ensuite je suis revenu sur Angers, dans une agence pareil, SEO, et puis là, par contre, direct, c'était en 2009, fin 2009, je crois, je me suis lancé en auto-entrepreneur, et puis du coup, je faisais des sites à côté. Donc j'ai notamment racheté le site iPhoneFun.com à un gars en Asie, là. Et puis c'est là où j'ai commencé à m'amuser avec Google News, machin, à faire de la vente de liens. Alors au préalable, non, oui, là, c'était à cette époque-là aussi où on vendait des liens au PageRank. C'était magnifique, ça. Oui. C'était magnifique pour ceux du coup qui me connaissent doivent savoir un peu penser que j'ai des trust rank et autres trucs comme ça. C'est notamment en fait parce que à la base le page rank c'était l'indicateur clé pour pouvoir vendre du lien. Ouais, mais bon, c'était Sauf quand même une information issue de la base de données Google, là, pour le coup, contrairement à alors. un trust rank. Alors écoute, je vais te faire ma petite histoire. Je crois que je l'ai raconté en off dans des soirées SEO, mais alors pas, je crois, comme ça nommé. Écoute, je prends Maxime d'Oquitonon en témoin. En fait, à l'époque, sur WebRank Info, il y avait un site, enfin les gens on se touchait tous sur les sites PR10. Genre, il devait y en avoir 5 ou 10 dans le monde. Et puis, il y avait un site belge qui s'appelait alize.be. A-L-I. ALYZ2, ouais. C'est ça. Et puis c'était un site, puis tout le monde disait, mais pourquoi il a un PageRank 10 abusé, faut réussir à faire quelque chose, machin. Donc en fait, le mec, il avait juste un lien depuis l'université Coimbra au Portugal, depuis une vieille home Ah. avec juste son bouton vers lui, et qui avait du coup son PR10. Et là, je me suis mis en quête, je me suis dit, bah écoute. Je vois hein, qu'il y a plein de ventes de liens qui se font, qui s'opèrent. Et puis surtout, je voyais déjà un truc qui m'énervait, c'était voilà, fallait avoir le plus gros PageRank et c'était génial. Et donc, je me suis dit, bah écoute, on va essayer d'en avoir le plus gros. Et puis, je parie que je vais réussir à avoir un très gros PageRank rapidement. Et donc, j'ai pris contact avec ce gars-là. Et il s'avère qu'en fait, donc ça, je ne sais pas si les gens le savent, mais le mec m'avait proposé, il m'avait dit, écoute, je suis OK pour te faire un lien sur le site d'un de mes amis qui avait l'agence web gprime.fr. Les sites sont affreux, hein. Il se passait rien dessus, sauf que alize.be faisait un lien vers gprime.fr qui, lui, du coup, jouissait d'un PR9. Mais les mecs rankaient pas, hein. C'était horrible, hein. C'était nul. Du coup, je me suis dit OK, et le mec me dit, écoute, je te mets un lien en footer de ce site-là, et puis en contrepartie, je galère là sur un client, donc est-ce que tu as moyen de bosser en parallèle pour moi là-dessus? Donc moi je voyais bien le truc, je lui ai dit bah ok vas-y, de toute façon ça va être génial, je vais faire un super site et je vais faire plein de petits sites avec des gros PageRank. Et du coup j'avais acheté le nom de domaine gamingentreprise.com, parce qu'il fallait quand même quelque chose qui claque un peu gambling, tu vois, parce qu'à l'époque c'était assez. Gamingentreprise.com, non mais... Attends. Et ce nom de domaine, et donc du coup là, et puis j'avais racheté.
des noms, je sais plus, c'était jeuxencasino.info et meilleurparisportif.com. Voilà, c'est ça. Et ces sites-là, du coup, je les linkais depuis Gaming Entreprise. J'en avais fait un espèce de faux truc, tu vois, un faux guide où il y avait 4 pages à tout péter. Et au bout de 3 semaines, j'avais dit à Max, j'avais dit, écoute, Max, j'ai un PR8 là en 3 semaines dans la prochaine Google Lens. Il m'a dit, écoute, 50 balles que tu l'as pas. Je connais, bon, 50 balles que je l'ai. Bim, la Google Lens arrive, PR8. Et il fait, putain, mais comment ça? Alors, du coup, j'avais pas expliqué le truc de G-Prime et tout ça. Et je lui dis, bah, regarde, c'est simple, le site, il est PR9, il n'y a qu'un seul lien sortant, donc je vais prendre le PR8, puis tu vas voir, les autres, ils vont être PR7 et PR6. Bon, du coup, ça n'a pas manqué, tu vois. Et en fait, j'avais eu ces sites-là, donc pendant un an après, j'ai pu vendre ça à CF Webmaster, là, donc les mecs qui ont Casino 777 et tout ça, qui achetaient des liens juste au PR. Et en fait, c'était nul. C'est-à-dire que les sites, j'avais monté des sites vides, qui était avec un fort page rank réel et rankait sur rien. Et qui d'ailleurs n'avait aucune valeur. Tu vois, c'est-à-dire que même si je pense que j'avais fait du bon contenu, je suis même pas sûr qu'avec ces liens-là, je serais ressorti quelque part. Peut-être que si d'ailleurs, peut-être que j'ai été très très con de ne pas avoir été plus loin. En tout cas, c'était ces sites-là ont eu un page rank en étant nuls. Voilà. Et avec un seul lien, du coup. Oui, bah oui. Donc bref, donc voilà, donc ça c'était pour la petite aparté. Et donc de fil en aiguille, moi j'ai un profil plutôt netlinker. Je suis pas du tout un technique. Je suis pas un technicien. Je suis un netlinker pure sauce. J'ai migré vers content marketing, t'appelles ça comme tu veux. Je fais du contenu. Et en gros, à l'époque, ce qui me faisait triper, c'était effectivement de faire du lien. Sauf que à l'instar de Corleone, de Tiger. Ou d'autres, j'étais un faux black hat en fait. J'étais un pauvre gars qui faisait du spamco, mais à la main, tu vois. Donc j'ai, alors je me rappelle, j'avais acheté LFE et Autosplug de Discodog et Benoît là, et en fait je m'en servais pas quoi. Donc j'en servais pas parce que je trouvais ça déjà que c'était de la bouillie. Donc je me suis dit bah moi à faire les trucs manuellement, tu sais, c'est un peu comme par exemple quelqu'un qui ferait de l'artisanat. Il ferait des poteries toutes moches, tu vois. Il le fait à la main, donc en fait, c'est bien. Ouais. C'est un peu la même idée, tu vois. Et du coup, bah, je faisais ça, tac, 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 puis ça me prenait du C'est du temps. spam Cali, quoi. C'est ça. Enfin, non, c'est du coup, c'est le même, c'est la même, c'est la même qualité, tu vois, que les autres, sauf que moi, je sais pas, je me suis dit, bah, ça a la valeur de l'humain. Tiens, par Que contre, il y a un dalle. truc bizarre qui se passe. Et Didier, je l'ai vu, hein, ton message. Je ne sais pas qui c'est qui l'a enlevé, mais De quoi? il y a Didier qui avait mis un message. Du coup, tu as toujours été un escroc pour partir dans le troll, mais en fait, le message a été retiré. Donc, je ne sais pas si c'est lui. En tout cas, c'est pas moi. Mais je l'avais bien lu, je voulais rebondir dessus, j'allais pas tarder. Vas-y, vas-y. Non, non, mais il disait, bah, du coup, t'as toujours été un escroc, lol. Et puis là, il y a un deuxième message de Bye Chouchou et Loulou sur le PR hijacking qui a été retiré. Donc, je ne sais pas, est-ce que. Non, c'est pas. C'est vous-même qui avez retiré vos messages, les amis, ou on est écouté? Et on Et a du. SGKZ qui dit, Nicolas, t'as oublié de mentionner l'époque où on niquait tous Rentabiliweb et les allopasses sur des instants gagnants, like petit coquin. Mais si je l'ai dit en plus. Il me semble aussi, hein. Ouais. Par contre, je faisais pas rentabilité web, moi. C'était compliqué, c'était un 0,3 et je crois que ça marchait pas trop. Enfin, j'ai Donc jamais du spam de eu le truc. qualité, quoi. Alors. Donc ouais, donc là on est en 2012. On est en 2012, voilà. Et puis, bah, 2012, c'est l'année de quoi? Penguin. 2012, c'est l'année de Pingouin. Et donc, 6 mois avant, en janvier, je crois, j'étais assez proche de Arnaud Lemasson, qui était un SEO, qui était étudiant à l'époque, qui a ultra performé sur la niche jeu gratuit. Donc lui, c'était jeu de tir, jeu fille, enfin, Je tout me ça. souviens, ouais. Et il avait tout détruit. Clairement, ça allait. Mais tu sais, c'était à l'époque des CP privés. Enfin, voilà. Enfin, CP ouvert, CP privé d'ailleurs. Et du coup, je lui avais dit, bah écoute, vas-y, je me donne 6 mois et puis je te dépasse sur jeu de guerre. Donc, je me suis lancé avec un collègue de la boîte sur le site jeuguerregratuit.fr, je crois. C'est ça. Et puis, je me suis mis à faire donc le même truc que je faisais à la main. Donc, c'était parti. J'avais
Je faisais des vrais partenariats, tu vois, avec les liens, échanges de liens. Alors, j'avais passé des heures monstrueuses dessus. Je me faisais un peu de spamco, mais pas trop. Et puis, je faisais surtout, mais que de l'encre optimisée, comme un teubé, tu vois. Et donc, je passais des heures et des heures entières à passer des super CP uniques à chaque fois. Alors, je faisais pas de comment ça s'appelle, pas de spin et tout ça, tu vois. Donc, vraiment à la main, j'ai passé un temps fou. J'ai jamais réussi à le dépasser. On était monté troisième et puis ça faisait genre 1800 ou 2000 balles par mois. Et puis là, pingouin, bim, mai 2012. C'était au moment où j'ai démissionné. J'ai démissionné en avril. Démissionné en avril pour me lancer seul du coup. Et puis là, je me prends pingouin et juste je perds tout du jour au lendemain. Ah, même avec du spam de qualité. Oh. Je perds tout et là ça me met un gros électrochoc en me disant merde, je pensais faire les choses bien, mais en fait non, mais en fait t'étais un putain de spammeur manuel, c'est-à-dire qu'en plus je faisais moins bien les choses que les mecs qui avaient automatisé ça. Donc je me suis juré que plus jamais je me reprendrais de pénalité là-dessus, et surtout ça m'a changé complètement mon état d'esprit en me disant ok, t'as envie de faire des. En fait, depuis le départ, tu vois, en plus mes pages étaient sympas, je faisais des. Genre, j'avais des mini-jeux, tu vois, puis je m'amusais à jouer, à aller vachement loin dans le jeu, et puis je me faisais un contenu hyper pertinent sur les différents niveaux de jeu, enfin, je me faisais super chier. Et donc, je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à faire dans la construction de quelque chose d'un peu pérenne. Donc voilà, alors après, pour la petite histoire, donc j'ai quitté en mai la boîte. Et puis ensuite, rapidement, est venu le moment où, avec Simon, qui avait passé son stage à Quelsible, donc dans l'agence, on s'est dit, bah écoute, est-ce qu'on se lance tous les deux? Oui, non. Je lui ai dit, écoute, moi, je te partage les 50% de ce qui me reste. Et puis voilà, il n'y a rien, on se met à 50-50, tu te mets un auto-entrepreneur aussi, et puis on partage tout à partir de maintenant. Donc voilà, il y avait une question sur ça, sur comment c'est fait. Et donc à partir de là, on a commencé. À l'époque, on avait iPhoneFun.com, enfin, on avait quelques petits sites comme ça. J'avais Call of Duty France que j'ai laissé expirer aussi. Enfin bon, des trucs un peu sympas quand même qui généraient, tu vois, 400, 500 000 visites par mois que je monétisais salement. C'était horrible en fait. C'était pareil. C'était le début, c'était nul, c'était du display, c'était. Nous, en plus, sur la partie smartphone, il y a eu l'essor de l'adblock, c'était horrible, tu voyais les trucs fondre, enfin, c'était vraiment, vraiment nul. Donc, on avait eu l'idée de faire de la réparation, de se mettre avec un partenariat avec un réparateur d'iPhone. On avait été sur place, à Nantes, pour essayer de s'amuser un petit peu. On n'avait jamais été au bout de ce projet-là, mais bon, c'était déjà dans l'idée de, ok, ça suffit pas, en fait, le display, juste quand tu es un espèce de média, c'est pas si quali que ça, et franchement, tu te mets certainement, tu gagnes, je sais pas, 10% peut-être de ton potentiel. Donc voilà. Et puis, écoute, à l'été 2012, on a voulu tenter. En fait, je suis tombé sur une affiche Euromillion 130 millions. Et depuis que j'ai 18 ans, avec un pote, on joue toujours notre grille quand il y a un super jackpot. Tu vois, les mecs, on arrive, on fait notre grille, et puis pendant 12 heures, l'espace qui nous sépare du tirage, on refait notre vie. Qu'est-ce qu'on ferait avec 130 millions? Bref. Puis là, et puis voilà, donc ça. Et puis je me suis dit, bon, bah attends, combien il y a de personnes qui pensent comme moi à jouer et puis qui ont ce même truc-là, et puis finalement, à la fin de la journée, qui essaient d'avoir le résultat. Tu vois. Et donc, on a fait quelques tests avec iPhone Fun qui était dans les Google Actu. Et puis on s'est dit, ah ouais, ok, bah, c'est pas mal, c'est intéressant, on va se lancer dans un site. Alors j'ai réussi à griller le nom de domaine. Hein, Vous avez fait des tests Euromillion avec iPhone Fun? ouais, c'est ça, il a été dégagé des Google Actu en 2 semaines, je crois. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est marrant ça. Il y en a d'autres aussi qui font ça depuis peu, non? Ouais, il y en a pas mal, je crois, qui se mettent dessus après ça. Après, tu te fais forcément griller ton nom de domaine au bout d'un moment. Mais là, du coup, c'était grillé. Et ouais, en 2 semaines, genre, il a sauté. De toute façon, c'était un site qui s'était pris Panda, en version, tu sais, c'était l'espèce de la pénalité bien sous-jacente, là, qui te fait perdre 20-30%, là, tous les 3 mois, t'es content.
Et du coup, je m'étais pris ça. C'était vraiment le site, il était en fin de vie, quoi. Donc clairement là, ça a été son coup de grâce. Et donc on a lancé des sites horribles: euromillion.resultat.free.fr, loto.resultat.free.fr. C'était mon état d'esprit SEO à l'époque, un truc nul qui disait putain mais c'est free.fr, ça va forcément mieux ranker, machin et tout ça. Et puis là, c'est Simon qui m'a dit, écoute, faut qu'on fasse un site normal, là, on arrête nos conneries, on arrête de faire un peu l'état d'esprit pur SEO, et puis, enfin, en tout cas, on le fait avec notre propre nom de domaine. Et donc, c'est là où est né tiragegagnant.com en février 2013. Et puis, donc, d'ailleurs, le jour de la date de naissance de Simon, c'était pas fait exprès, mais son jour anniversaire. Donc du coup, à partir de là, on s'est dit, ok, on va le lancer, mais on va essayer de le lancer bien et en changeant totalement du coup la stratégie pour pas se reprendre la pénalité de pingouin qui m'avait fait pleurer, tu vois. Donc en gros, à partir de là, on s'est dit, ok, comment faire pour avoir une stratégie de netlinking sûre, avoir une stratégie de contenu pertinente et faire différemment des acteurs qui étaient déjà là depuis 15 ans. Donc, rapidement, on s'est mis sur, OK, on veut être identifié comme un média à part entière sur le secteur. On va isoler le secteur loterie parce que finalement, sur le poker et sur le pari sportif, il y a déjà beaucoup de monde. Et on va se mettre avec une presse. Donc, à l'époque, c'était Joel Press, un pure player. Et puis, on va lui faire un partenariat. Et en fait, il crée des publications à chaque jour de tirage. Puis nous, on avait une bannière en fait qui nous balançait du trafic. Et écoute, je crois que de mémoire, le site a jamais eu moins de 300 ou 400 000 visites depuis sa création. Ah ouais. Moi, tu vois. Et bien, en fait, au début, c'était 90% de visites référents. C'était uniquement le pure player qui nous envoyait du trafic. Et en fait, en termes de ranking, c'est venu vachement vite. Donc, enfin, en tout cas, on a vu que c'est venu assez rapidement. Et à partir de là, l'idée, ça a été de se lancer sur la partie RP. Donc, je vais m'arrêter là, mais du coup, ça a été notre gros fer de lance et le gros pari sur ce site-là. Ok. Je sais pas s'il Pourquoi y a tu des vas questions t'arrêter ou là? autres. Je sais pas, je sais pas s'il y a des questions ou autres. Alors du coup, Non, non, il y a... Kevin Banks, c'est un pseudo qui commence par Kevin, qui dit l'arnaque et la poisse, c'est ça le résumé en fait. ça serait un peu court. Regarde, ça serait l'apprentissage de ce que tu fais quand t'es gosse et te dire, ok, comment réussir à ensuite soigner un peu ton karma, tu vois, un truc un peu comme ça. Ah, voilà. Tu vois. Non, et du coup, écoute, après, avec ce site, l'idée, en fait, c'est pour ça, c'est marrant, on a une vision, nous, totalement différente d'autres éditeurs. Nous, on est monosite quasiment. On a plusieurs sites internet, on a tiragegagnant.com, on a racheté un concurrent Loterie Plus en 2017, on en a deux, trois autres là qui traînent, mais globalement, effectivement, on est sur ce secteur-là et puis on décide d'y aller à fond. La raison, en fait, est simple, c'est qu'on ne sait pas industrialiser. Moi, j'ai aucune envie déjà, mais j'ai aucun moyen de faire 50 000 sites, 50 000 thématiques. Et en fait, c'est pas du tout ce qui m'anime. C'est-à-dire que ce qui m'anime, tu vois, moi, tous les matins, c'est de me dire, tiens, comment je peux aller encore plus loin dans mon secteur? Comment je peux aller encore plus loin dans mon esprit de monétisation ou autre? Est-ce que j'ai pas raté quelque chose? Est-ce que je peux faire après de la valorisation de mon site internet en vue d'une future revente peut-être? Il y a quelque chose comme ça. Et puis en fait, entre 2013 et 2021, il y a vraiment des changements profonds, hein, tu vois, qui ont été opérés. Il y a un truc qui on est passé en fait de base à un site SEO. Moi, je regarde là grâce à Frédéric Bobet. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si tu connais. Non, je sais pas c'est qui ce con. Non. En 2020, on a décidé de faire un grand ménage sur le site.
On avait énormément de contenu poubelle. Et puis maintenant, là, depuis, je suis en train de repasser sur toutes les pages du site créé depuis 2013. Et je modifie le contenu pour que les pages soient pertinentes, soit supprimées si elles ne le sont pas. Et donc, c'est marrant parce que je me mets vraiment le nez dans l'évolution du site et l'évolution de notre travail. Et Ok, c'est donc drôle parce que. c'est quelque chose que tu aimerais qu'on discute publiquement, si je comprends bien. De quoi? De ce. Bah De. du travail, Ah ouais, de on la peut, réflexion, de tout ce qui a été fait. Alors, ce que je te propose, en fait, c'est que on commence. Parce que j'aimerais bien quand même que tu nous parles du RP, parce que moi, il y a plein de fois où j'ai essayé de me lancer et je ne sais pas du tout par quel bout prendre le truc. Pour moi, c'est un énorme souci quand je regarde quand j'essaie de m'y mettre, je me retrouve face à ben, j'appelle qui, je contacte qui, comment j'approche les personnes, qui j'approche. Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment c'est un peu une boule avec des piquants où tu sais pas trop comment la tenir, puis tu te dis mais comment je vais faire? Et donc, il y a un moment, tu t'es lancé en plus avec un site qui s'appelle Tirage Gagnant, bon, qui est monothématique et qui parle de sujets que les presses aiment bien parler. Mais comment t'as abordé le truc? Par quelle porte t'es rentré, quoi? Écoute, pour te dire vrai, je crois que je me suis lancé un peu au pif avec en fait le truc c'est qu'on publiait une partie, donc on avait une partie actualité, et puis on publiait des trucs un peu sympas, genre on faisait une étude sur les personnes, genre mobiles, les personnes desktop, on regardait les devices qui étaient utilisés. Donc en fait, il y a énormément de personnes qui ont des iPhones, donc potentiellement, quand on dit que c'est uniquement des mecs qui sont RSA, c'est pas forcément vrai. Enfin, on faisait des espèces de raccourcis comme ça. Et donc, j'utilisais les compétences de Simon pour que on ressorte des infographies. Et en fait, on n'en faisait rien de ces trucs-là. Donc c'était des publications qui étaient vues, mais genre par deux pélos, trois tendus. Et en plus, comme on est des grosses bouses sur la construction de communauté, c'est le gros travail de 2021. En fait, c'était uniquement sur du trafic SEO entre guillemets. C'était vachement mal mis en avant sur le site. Et donc en fait, c'était vu que par nous-mêmes, tu vois. Donc là, on s'est dit, bah attends, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je me suis dit, bah moi qui ai un profil netlinker de base et qui voulait plus faire du mauvais lien. Genre moi, je suis assez contre tous les liens entre guillemets artificiels, mais pas contre, mais en tout cas, pour moi, je voulais absolument pas me faire pénaliser, tu vois. Donc Oui, c'est je me suis surtout dit, ok, ça. je vais forcément aller sur une source entre guillemets sûre. Et donc pour moi, la source sûre, c'était le média. Bon, et puis c'était surtout hyper, tu vois, il y a un petit côté super prestigieux, vas-y, ça a été parlé dans Le Figaro, dans machin, dans Milieu. Et donc en fait, j'ai pris le truc assez basiquement en me disant, ok, il y a eu un gagnant hier dans je sais pas quel département, là on va prendre un au hasard, je sais pas moi, les Alpes-Maritimes, je me rappelle plus du premier. Et puis, bah, ça va forcément intéresser des gens. Donc comment je pourrais réussir à diffuser l'information par le biais de médias, et puis quelle information pourrait les intéresser? Comme on a très peu d'informations sur le profil des gagnants, comme on a très peu d'informations sur les gens, même en général dans leur vie privée, il faut jouer sur autre chose. Moi, c'était, bah, ok, je vais jouer sur les datas qu'on a. Quelles datas on a? On a, par exemple, les plus gros gagnants par département. Ouais, c'est intéressant ça. Les derniers gagnants du département. Bon, vas-y, on va réussir à en faire un truc. Et puis, en fait, je me suis dit, bah ok, je vais prendre. Ça va être ma source. Ça va être ce qui va intéresser, c'est les top 5 des gagnants, par exemple, en Alpes-Maritimes. Si jamais le gagnant il est troisième, je vais avoir un angle à parler. Et puis, je vais y coller un média pour que bah, ça puisse être pris et que ça puisse être interactif, intéressant pour les presses. Ouais. Donc, un média infographique, du coup. Et à partir de là, bah, je me lance et puis je vais simplement aller choper les emails, peut-être quelques pushs sur des comptes sociaux, des rédactions et en mode rédaction globale, tu vois, donc rédaction @lemedia.com quoi. Et là,
de fil en aiguille, en fait. Donc, mon premier mail, par exemple, c'est bonjour, tac, 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 je suis Nicolas Robineau du site tirage-gagnant.com. Nous sommes un média spécialisé dans la loterie, tac, tac, tac. Dans votre région, il y a eu un gagnant. Hein. Et puis, vous trouverez en pièce jointe de ce mail le communiqué de presse affilié à une infographie. Vous pouvez utiliser l'infographie si vous voulez gratuitement. La seule chose est un lien source. Enfin bref, je te détaille pas tout, mais il y a ça avec en Ouais, lien. je vous mâche le boulot, tenez, si ça vous intéresse, quoi. C'est ça. Et puis surtout en me mettant vraiment en avant de co-gérant, moi je mets toujours co-gérant passionné de tirage-gagnant.com, ce qui est vrai. Je passe juste ma vie. Donc, du coup, il y a un truc comme ça où je me livrais, mais totalement. Et puis, l'idée, c'était de les inclure. Donc, moi, quand je fais un mail à une presse, je vais parler à la presse. Tu vois. C'est bonjour à toute l'équipe d'actu.fr. Suivant l'année, je vais faire, je sais pas, moi qui renseigne pas mal de l'actu, s'il y a eu une actu, soit un peu déprimante, par exemple, avec Rouen l'année dernière. Je sais plus quand, là, t'as eu des explosions, oui, c'est ça, l'année dernière, juste avant le confinement. Ouais. Du coup, bah, si j'ai une actu avec un Normand, je vais parler de ça. J'espère que toute l'équipe va bien sur Rouen, tac, tac. Et puis ensuite, j'enchaîne sur mon actu. Mais l'idée, c'était construire du lien avec des équipes presse, en région, principalement, parce que c'était celles qui me semblaient les plus atteignables et c'était celles qui me paraissaient les plus propices, en fait, à relayer l'info parce qu'ils ont l'audience en adéquation. Et écoute, j'ai passé beaucoup de temps à faire des envois, beaucoup de temps à mettre des coups d'épée dans l'eau. Il y a eu des fois où ça marchait pas du tout, d'autres fois où ça marchait beaucoup, des fois où en fait juste tu comprends pas la relation de pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche. Donc ce qui est chiant, c'est que la fois d'après, bah t'as pas vraiment vraiment le bon process. Et puis au fur et à mesure des années, eh ben tu commences à avoir glané pas mal de liens sur pas mal de rédactions. Finalement, tu as des gens qui commencent à te connaître, donc ça repart bien. Et en fait, c'était vraiment, donc pour donner un conseil, c'était se lancer avec une vraie plus-value à donner. Et je pense qu'il y en a dans tous les secteurs. Par exemple, j'aimais bien dire, parce qu'il y a plein de gens, ouais, c'était bien, c'est facile le secteur du jeu, ou alors c'est facile ton truc parce qu'il y a des gagnants en région. Mais par exemple, je sais pas, moi, il y a un gagnant n'importe quoi, il y a un boucher. Qui a décidé de faire, je sais pas moi, le cours de la côte de bœuf, j'en sais rien, c'est une connerie, mais tu vois, par Le région, et puis concours, tu. ne serait-ce qu'un concours. Ouais, par exemple, Le on concours de court. la Ouais, rosette, c'est ça. des trucs, ouais. C'est ça. Ou alors le concours, ouais, bah, c'est vrai, c'est marrant, j'ai reçu de l'huile croate, là, parce que j'avais vu le concours de. Je suis un fan d'huile d'olive, j'avais vu un concours, bah, pareil, il y a plein de concours d'huile d'olive, mais oui, dans la même idée, il y a des sites spécialisés, Ouais. justement, ouais, complètement. Mais c'est ça, en fait, faut organiser des événements. Même si tu dis que un truc est nouveau, alors que ça fait 3 ans que tu le fais, mais c'est pas grave, tu remets un peu de nouveau sur le feu. Des fois, ça. Enfin, moi, Alors, c'est comme ça que j'ai vu des clients passer, en tout cas dans les presses. Hein, bah, écoute, en tout cas, ce qui est, je pense, d'ailleurs, ce qui est super dans la RP, en fait, ce qui est génial, je trouve, c'est que tu as vraiment du lien. Donc, par exemple, la personne qui a mis un lien, c'est vraiment un journaliste. Et ce qui est top, c'est qu'en fait, ça peut être un journaliste de la rédaction, ça peut être un pigiste, ça peut être un juste rédacteur web, entre guillemets. Et en fait, c'est marrant parce que tu vas voir les typologies. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu te dis pas, ah bah j'ai été repris par le Dauphiné, tu as été repris par un tel. Gérard Guillaume du Dauphiné. Donc un jour, le mec du Dauphiné, il va pas te mettre de lien parce qu'en fait, soit c'est un mec de la presse écrite qui va pas savoir le faire, soit c'est en lien qui a effectivement pas envie de le faire, enfin, j'en sais rien, mais c'est pas le Dauphiné qui met pas de lien, ça marche pas. Non, c'est ce mec-là qui a pas mis de lien, donc des fois, faut aller à la pêche, et si ça marche pas, bah c'est pas grave, la prochaine fois, ça pourra peut-être marcher. Et du coup, par exemple, là, je suis un grand troller sur les réseaux sociaux, mais quand tu es avec des presses, ça sert à rien. Par exemple, tu vas pas t'offusquer en disant, tiens, vous m'avez pas fait de lien et tout ça. Non, c'est le jeu, quoi. C'est Ah bah oui. j'apporte de l'information. Je souhaite quand même qu'il y ait une source de cette information. S'il n'y a pas de source, eh ben, écoute, c'est pas grave, je recommencerai. Enfin, je fais une relance quand même. Et puis, s'il n'y a rien, je ne vais pas passer mon temps où je vais pas leur dire, tiens, c'est horrible, ils font pas de lien. Tu vois. Ça n'a Ouais, aucun intérêt. donc si je comprends bien, c'est se créer un carnet d'adresses petit à petit, en attaquant un peu au hasard, au début, en trouvant un contact, à gauche à droite, en se disant, bon, si j'envoie ici, ce sera sûrement, son adresse mail, quoi.
C'est ça. Alors après, ça c'est pour la partie homemade, hein. Ça c'est pour la partie je fais les trucs maison comme on a fait, tu vois. Après, il y a des gens qui font ça très bien. Là, je vais citer parce que c'est quand même c'est rare et puis ils font du très bon boulot. Mais il y a par exemple l'agence OneRef qui s'est spécialisée, qui a une personne uniquement pour la RP. Et puis il y a Manu, merde, il faut que je fasse un article sur lui, qui fait notamment les opérations pour Consolab et puis pour plein d'autres. Et en fait, lui, il a une vraie, ils ont des vraies plus-values, ils ont des vrais process. Et les mecs, par exemple, vont le contact de l'IFOP, vont réussir à trouver un sujet qui va être trendy. Alors après, un petit peu coup de bonheur à la chance, tu vois. Et ils vont avoir des vrais gros retours. Donc moi, par exemple, tu vois là, nous, on est bloqué aujourd'hui. C'est que on fait pas ce type de relais. Donc par exemple, nous on a énormément de relais presse Local, locaux, on ouais. a pas mal de national, mais que quand ça vient sur des gros sujets qui buzzent. Par contre, on n'a pas encore réussi à faire monter des études, ou en tout cas, j'ai pas le courage de faire ça. Donc normalement cette année, on devrait en prendre justement une ou deux avec lui, juste pour tester un peu, voir comment ça réagit. Et C'est un métier, hein, quand même, hein. Bah ouais, du coup c'est un métier et puis enfin c'est sûr, attends moi je passe là maintenant ça va mieux, mais au départ tu fais un RP, bah ça te prend tout cumulé entre le mail, le CP, ton article de base, ton média et tes relances, t'en as pour 5-6 heures quoi. C'est intéressant le process que tu viens de décrire là. Ouais, bah c'est. Vas-y, tu veux que je le Ouais. refasse dans le bon ordre? Attends, je vais prendre des notes. Bah, du coup Non, le pro. donc en fait, Peu, hein. tu crées un RP, tu envoies un mail, après En... tu relances. Ouais, non, bah, en Enfin. fait, c'est basique. Tu commences par faire ton article à toi, c'est ta source. Ensuite, tu fais ton CP, qui va lier aussi ta source dedans. Tu vas faire le mail, ou tu vas faire quelques. Moi, en tout cas, je fais déjà quelques petites puces, tu vois, histoire d'avoir quelques petits points chauds, que la personne, rien qu'à la lecture, même si elle va pas à l'ouverture de la pièce jointe, elle sache un peu de quoi ça parle. Je joins le communiqué. Et ensuite, bah, je me fais un petit footprint dans un nouvel onglet. Bah, ça peut être gagnant loto plus nom du département dans les 24 heures. Et puis, pendant 24 heures, je vais me faire quelques refresh. Et dès que j'ai une publication, soit la publication, elle est avec un lien, je remercie l'équipe. Soit elle est sans lien, sans mention ou autre, je remercie l'équipe et puis je lui dis que ce serait sympa de nous faire un lien. Et puis ensuite, bah, fin du RP. Et en fait, nous, on a plusieurs trucs parce que dans la FDJ, tu vois, on connaît par exemple le soir même le département du gagnant. Et ensuite, on a des infos complémentaires lorsqu'il est payé. Donc nous on fait un pré-CP en mode brève, donc au lendemain du tirage, et puis ensuite on y retourne 15 jours plus tard avec des infos complémentaires. Voilà. Bon là par exemple il y a encore des petites choses à revoir pour 2021. Je vais changer un peu ça. On va essayer de monter encore en quali et vraiment 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 être média. Donc on a investi dans un joli appareil photo. L'idée c'est de téléphoner à tous les détaillants. Pour vraiment avoir de l'info fraîche, de l'info un peu unique. Normalement, là, on s'est bien rapproché de la FDJ, donc on devrait pouvoir se rapprocher de millionnaires. Voilà, il y a des trucs un peu sympas qui se font. Ouais, donc là, c'est un vrai travail d'investigation, de journalisme, enfin, d'aller sur le terrain, quoi, je veux dire. C'est ça. Ça nous fait kiffer, ça. Moi, c'est un truc. Toi, là, on a fait. Alors d'ailleurs, tiens, si c'est ça, ça me fait penser. Dans le côté monothématique, ce qu'on voulait et ce qui je trouve est vraiment chouette, c'est de se dire, OK, on n'a que quelques sites et en fait, tu vas hyper en profondeur dans le truc. Par exemple, on est passé d'un site en gros SEO à un site où on se fait inviter pour les 40 ans du loto en compagnie de, je sais plus, il y avait Marie-Josée Pérec, enfin bref, tu es au milieu de tout le monde là. Et du coup, ça crée du lien, mais ça crée un peu du réel, tu vois, à ton site. Et tu as quelque chose vraiment, tu sais, on parle de notoriété ou autre, ou de popularité dans le lien. Et là, tu as vraiment la notion de, ah ouais, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose qui soit tangible, mais dans le monde normal, tu vois, dans le monde réel, entre guillemets.
Donc, par exemple, je sais pas moi, on a fait deux fois les coulisses d'un tirage Euromillions. On monte plusieurs fois par an pour rencontrer l'équipe presse et l'équipe marketing. Enfin voilà, l'idée c'est de lier vraiment des gros liens dessus. Et en fait, tout ce travail, si on avait eu plusieurs thématiques avec la vie qu'on a envie d'avoir, c'est-à-dire de pas faire 80 heures semaine, de pas avoir embauché parce que ça nous offre une liberté totale pour le moment, même si on en voit les limites. Du coup, tout ça, ça nous a finalement, avoir uniquement cette thématique nous permet d'aller la creuser et vraiment le chiffre d'affaires, par exemple, a augmenté, non pas par la volumétrie de trafic, mais vraiment par la connaissance du secteur, quoi. Et enfin, c'est hyper frappant, parce que bon, depuis 4 ans, on a peut-être un petit peu moins d'ailleurs de trafic, je sais pas trop, en tout cas, on est un peu similaire. Et notre courbe, elle augmente tout le temps. Donc voilà, c'est qu'il y a vraiment une notion de compréhension qui est hyper intéressante, hyper excitante. Et ça, c'est chouette. Et donc ensuite, donc pour revenir juste sur la RP, moi, ce que je trouve vraiment, vraiment chouette dans la RP, c'est qu'à la base, en fait, après Pingouin, je me suis dit, OK, le lien rare, c'est le lien à privilégier. Parce qu'au-delà même du côté populaire du média, il y a le côté lien rare, tu vois. Moi, on m'a appris, entre guillemets, dans les SEO, que le lien rare vaut quasiment tout, tu vois. Il y a le placement du lien, mais il y a le lien rare. Et finalement, un lien que d'autres personnes ou que tout le monde ne peut pas avoir, alors qu'à l'époque, tu vois, tu avais un CP ouvert, tu mettais tes 300 mots, c'était validé, tu étais au milieu de bricolage, de serrurier et d'hôtel D'assurance. à Dinan, c'est ça. Et du coup, c'était OK, comment on pourrait avoir un lien rare? Et ce qui est bien, c'est que quand tu obtiens ces liens rares, la notion de valeur, c'est un peu toi qui la fixes, tu vois. Par exemple, c'était drôle de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de plateformes vendent du lien média. Quand tu vois le prix des liens médias aujourd'hui, tu peux déjà en tirer une valorisation de quand toi, tu réussis à avoir un retour. Donc, on est de l'ordre de 1 500 euros le lien, hein, minimum. Et quand tu vois où ils sont publiés, tu peux survaloriser ton lien, tu vois, quand tu l'as eu en RP, en te disant, bah, un lien de RP, c'est un lien qui est dans le fil trend Dans le classique de la flux, rédaction, qui est repris sur Facebook, qui est repris sur Twitter. Là, je le fais plus, mais à l'époque, nous, à chaque fois, en fait, j'allais sur les fils Twitter, sur les fils Facebook de chaque presse qui nous reprenait, et puis je les remerciais et je faisais un lien vers la page Facebook de Tiers Gagnant, vers la page Twitter de Tiers Gagnant, pour bien que les personnes qui le lisent, vu qu'il y a parfois des grosses audiences, puissent carrément. potentiellement revenir, quoi. Carrément. Donc c'était vraiment du taf, hein, pour le coup. Ça, je l'ai un peu arrêté parce que y a eu un moment où je faisais beaucoup de RP, j'en faisais genre 3 par semaine facile. Et du coup, j'aurais fait que ça de ma vie. Et parfois, je me perdais. Donc, du coup, il y a des petits coups de mou où je me suis dit, bah, OK, c'était peut-être pas très pertinent ou autre. Mais en Ouais, tout ça doit cas, être assez tout s'est routinier au trouvé. bout d'un moment aussi, quoi. Ouais, alors l'avantage, c'est que ça a créé. Genre, aujourd'hui, je suis capable de te faire mon petit process là. Il me prend pas plus de 2 h 15 aujourd'hui, tu vois. Et suivant les régions. Par exemple, aujourd'hui, on a eu 4 liens là, sur La Réunion. Début de semaine, c'était la Martinique. Bah, par exemple, sur de La Réunion ou de la Martinique, je sais que mon RP il va être repris en 25 minutes. Donc ce matin, je sais que je vais bosser 2 heures et je vais me faire 4 liens sur des sites qui font 3 millions de visites locales. Et ça, du coup, je me dis, bah, OK, je le fais, tu vois, je veux bien. Bravo. Tu fais partie des rares que je connais, en tout cas, qui sont partis là-dedans et qui l'ont assumé surtout. Moi, je l'ai tenté, j'ai même tenté avec Héloïse qui a bossé à la Provence, donc qui avait quand même déjà un petit carnet d'adresses, et puis qui a fait des études de journalisme, etc. Mais j'ai jamais réussi parce que justement, c'est beaucoup de boulot et je pense qu'au début, c'en est beaucoup plus. Et comme tu dis, après, ben, une fois que tu as tes habitudes, tes routines et puis ton carnet d'adresses et les bons contacts, ben ouais, tu vas économiser énormément de temps, quoi. Et puis après, il y a aussi un truc, c'est que
Je me suis rendu compte parce que j'avais fait pas mal de confs où je parlais de ça quand même un peu ouvertement aussi. Et j'ai vu rarement des personnes prendre le chose, tu vois, alors que parfois quand tu parles de plan linking, ils sont cramés dans les 2 heures, tu vois. Non, mais là, c'est pas un plan linking, là. Là, Ouais. c'est, faut être honnête, c'est du travail, quoi. C'est un gros travail. Ouais, mais du coup, il y a un truc où. Enfin, je te fais juste un exemple. Je te fais un exemple. J'avais eu Kevin Jourdan, pour ceux qui connaissent, que j'estime beaucoup. Et du coup, on avait parlé, on s'était vu croiser à Salanches lors d'un apéro totalement par hasard. On s'est découvert là. Et ensuite, il est revenu à Salanches et puis il a voulu en savoir un peu plus. Justement, on a parlé au détour de trois pintes. Et puis, on parlait de RP. Ça l'a intéressé. Tac, bon, j'étais ouvert sur le truc. Et puis, il a mis en application le truc en 1 semaine. À l'époque, il avait fait une étude sur la malbouffe là, et genre, ça avait cartonné. Depuis, il l'a fait tous les ans, et depuis sur ses sites, c'est des process qu'il met en place. Et lui, par contre, il est, donc, tu vois, c'était un site de santé à l'époque, santé. Et du coup, sur n'importe quelle thématique, tu peux réussir à trouver, comme tu dis, des événements. Tu vois, il a des sites de chiens, il réussit à trouver des formulations, et en fait. Tu te rends compte que pour n'importe quelle thématique, tu peux réussir à trouver des points d'entrée. Et après, par contre, tout l'enjeu, ça va être de réussir à trouver des points d'entrée récurrents. Tu vois, par exemple, il y a une réalité, c'est que les liens presse, comme on dit dans le jargon, ça pousse, mais au bout d'un moment, bah, Ouais, les ils se font articles, ils sont enterrer. poussés, quoi. Ils se font C'est ça. enterrer. Ouais. Donc du coup. Il y a un vrai truc là-dessus, il y a un vrai truc sur il faut que ce soit du récurrent. Par contre, je sais pas moi si c'est ça ou si c'est autre chose, mais on a vu une puissance dans le linking. Enfin, nous, en tout cas, on a vite bien ranké. J'ai vite eu l'impression que réussir à avoir ces liens trustés ou ces liens avec de la popularité, ça nous a bien aidé à crédibiliser le site. Ah bah Après, tu vois. c'est sûr, tu vaccines le site contre beaucoup d'algo pénalisant Google, quoi, hein. Écoute, ouais, en tout cas, on a réussi à passer entre les mailles. Après, il y a des problèmes de contenu en ce moment là, mais on a réussi à passer entre les mailles. Et puis surtout, c'est tu vois, ce qui est super excitant, c'est le côté. Toi, il y a pas longtemps hein, que j'ai eu l'idée un peu de valorisation du site où on s'est dit bah finalement, tu vois, qu'est-ce qu'on vaut? À qui on pourrait vendre un jour. Et en fait, quand tu as cet état d'esprit, forcément, tu soignes, tu vas viser à soigner ton site, tu vois. Et à le voir autrement. Donc, tu vas le voir en mode, OK, faut qu'il soit complètement clean. Donc, par exemple, Ezoic et autres, tu oublies. Pardon pour Ezoic, enfin, le Ezoic brutal, tu oublies. Tu essaies de te séparer un maximum des choses intrusives. Donc, nous, c'est d'être le minimum intrusif, de répondre au maximum à la personne ou personne que tu as en face. Pour nous, bah, c'est assez facile, c'est des joueurs, et puis c'est des joueurs qui veulent jouer. Et l'idée, c'est de réussir à, autour de ça, te faire un site qui ressemblerait, moi j'adore, la personne qui s'appelle Frédéric Vergne, qui était l'ancien webmaster qui avait Cbanque. Alors pour moi, tu vois, lui, c'est ma référence dans mon style d'édition de site internet. C'est-à-dire que le gars, il a lancé son site de banque, là, enfin banque en ligne, en média. Le mec, c'est à lui qu'on a racheté letriplus.com à l'époque. Et ce type-là, il est inspirant de folie parce qu'il doit avoir 50 ans, Frédéric, et il est entre guillemets de la vieille école, c'est un dev, mais il fait ça hyper bien. C'est-à-dire que sur ces banques, il avait une équipe de journalistes spécialisés dans la finance. Et le mec a monté un site internet sur un secteur bancaire avec plusieurs millions de visiteurs par mois, relayé dans tous les médias. Il faisait aussi des études. Et pour moi, ça a été vraiment, enfin, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'au début de l'année 2020, enfin, en tout cas, il
Maintenant, c'est Moneyvox. Ça a été revendu. Et donc, lui, il a bouclé la boucle, typiquement, de ce qui, je pense, est chouette dans un truc d'édition, c'est-à-dire la création, la valorisation, la revente, mais dans quelque chose où tu es sur du pérenne, tu vois. Donc là, toi, il y a quelque chose Ouais, de. t'apportes une vraie T'es valeur pas ajoutée, sur un quoi. short and burn. Ouais. Oui, bah, par exemple, lui, là, bah, ils ont acheté à meilleur taux, hein, c'est pas secret. Et du coup, ces meilleurs taux, tiens, tu vois, en fait, ils avaient tout intérêt à acheter ce média-là, tu vois. Et typiquement, c'est effectivement quelque chose où quand tu es rentré dans cet état d'esprit-là, alors passer sur BFM TV, par exemple, eh ben, tu trouves ça intéressant parce que tu valorises, entre guillemets, ça valide quelque chose, tu vois, ça valide quelque chose qui dit, je ne suis pas qu'un SEO et le site n'est pas un site que SEO, tu vois. Ça veut dire que potentiellement le travail qu'on a fait depuis les 6-7 dernières années, alors il y a de la vraie valeur. Alors les personnes qui viennent te voir et qui te rappellent, c'est que pour cette thématique-là, tu es devenu référent, C'est etc., ça. etc. C'est ça. Vous êtes devenu une référence, une des références en tout cas, dans cette thématique-là sur la France et bientôt sur l'Europe. Alors, espérons, espérons. Alors, Ouais, on a on plusieurs verra. questions, Nico. Alors, déjà, il y a Alexis qui ne pose pas une question, qui te dit Hello, Alexis Rilko. Yes. On Salut a Alexis. Eddie Villaume qui nous dit du coup, c'est quoi le modèle économique de tirage gagnant? Affiliation, point d'interrogation? Le modèle éco, il est mix entre du display chat sense et puis entre de l'affiliation FDJ puis de l'affiliation étrangère. En gros, c'est ça. Et à l'avenir, l'idée, c'était en 2021, même 2020. Ça avait été de créer une application un peu sympa, sauf qu'on a eu des déboires immobiliers, donc c'est delay, c'est retardé. Mais du coup, c'était l'objectif, c'était de créer, après passer sur un format produit, entre guillemets, qui soit gratuit, mais en tout cas qui soit en mode produit pour faire plus de la publicité ads et autres. Donc voilà, aujourd'hui, pour les mois à venir, on aimerait ouvrir certainement aux autres thématiques. ANJ, donc paris sportif, poker, turf, pour essayer de ratisser un petit peu plus large, de voir ce qu'on vaut sur ces thématiques-là. Et Ok. en gros, pour Alexis, la structure, c'est-à-dire peut-être le pourcentage, on est sur quelque chose qui ressemble à 20%, 25% pour AdSense, 25% pour l'étranger et 50% pour FDJ. En Ok. gros. Question complémentaire de Florent Pérez. Fonder tout ton biz sur de la file avec une seule boîte et pas d'alternative possible, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou pas? Alors, en fait, on est donc attends, parce, alors c'est ma donc non, pour répondre à ta question, non, ça nous fait pas peur. On a conscience de ça. Ça nous fait peur parce que forcément, tu es ultra dépendant. Ça, on en est bien conscient et l'idée justement, c'est d'essayer de l'être moins. Donc clairement, on a envie d'avoir une pluralité et puis surtout en fait d'offrir quelque chose de différent. Par exemple, une communauté qui pourrait justement nous permettre de faire la promotion d'autres acteurs, d'autres formes de monétisation. Ça, c'est vraiment le gros volet. Mais après, dans notre cas, justement, l'idée, c'était aussi de faire un vrai partenariat avec FDJ. Aujourd'hui, tu vois, on a des réunions tripartites au téléphone avec l'ad manager de Awin et puis la personne de FDJ. On va sur place pour se faire aussi une tripartite. Du coup, c'est vraiment assez cadré. L'idée, c'est qu'on aille un peu main dans la main. On n'en a jamais parlé parce que tu vois bien que c'est des sujets où tu parles pas un peu franc du collier. Mais nous, on est des. Parce que pour ceux du coup qui trollent, du coup, nous, on est des joueurs en fait. Hein. Moi, je suis un joueur de poker, moins en ce moment, mais j'ai eu mes Ça fait périodes longtemps poker qu'on en t'a pas ligne. vu sur les tables, hein? Ouais, j'essaye de me déconnecter de l'écran. Alors du coup, le poker, c'est horrible pour ça.
Donc, du coup, je me déconnecte de ça, mais j'ai fait beaucoup de poker en ligne. Je suis plus fan du poker live quand les casinos sont ouverts. Après, tu vois, j'ai fait quelques petits trucs de paris sportifs, et puis je joue régulièrement à des grosses cagnottes loto pour me faire marrer, et puis du jeu de grattage quand ça sort parce que ça me fait rire aussi. Mais du coup, moi j'ai un budget qui est dédié, je sais où je m'arrête, et c'est un truc où ça me... En fait, on n'y est pas allé dans un but mercantile, tu vois. Parce qu'en plus, je pense que si tu y vas dans un but mercantile, tu vas te brûler les ailes, parce qu'en fait, au départ, tu vas pas avoir de trafic. Au départ, tu vas faire de l'AdSense, tu vas voir que ton taux de CPC, il est à 3 centimes, tu vas avoir envie de pleurer. Donc, du coup, tu vas arrêter, quoi. Et finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin, voilà, c'est un secteur du jeu, donc c'est un secteur qui marche quand même bien, puis qui a été préservé par le Covid, là, donc on croise les doigts. Et par contre, nous, il a été animé juste parce que c'était une suite logique, quoi. Je crois que depuis que j'ai commencé le web en 2006, j'étais que dans le jeu. Donc j'ai commencé par Prizee en tant que joueur, Find Jeu, j'ai fait que des trucs de jeu. Et du coup, bah, c'était un peu la suite, ce truc-là. Et si on peut avoir une vraie... En fait, nous, un peu notre, pas notre rêve, mais ce qui nous ferait vraiment délirer, nous, c'est de faire une vraie loterie. Alors c'est impossible aujourd'hui, mais ça serait de faire une espèce de vraie loterie, même gratuite, et un peu dans le fun, quoi, de voir des gens gagner, d'offrir à des gens des trucs. Ça, c'est vraiment chouette. C'est notre idée, quoi. Ouais, après, c'est tellement réglementé que c'est assez compliqué, hein. Ouais, bah du coup, en termes de payant, il y aura rien, il y a rien d'ouvert, c'est mort. Et puis le jour où il y aura quelque chose d'ouvert, les licences sont tellement prohibitives et puis ça sera tellement contrôlé que c'est vraiment pas souhaité. Par contre, il y a beaucoup de loteries gratuites qui se lancent en ce moment, et qui ont des bons retours. Donc il y a moyen de faire des choses un peu intéressantes avec des modèles économiques sympas aussi. Donc, OK. voilà. Et pour répondre à Eddie Villaume, bah, j'étais sur Toilocado à l'époque, donc voilà. J'étais un petit utilisateur, c'est marrant. Mais donc voilà, pour faire simple, on n'a pas peur. Ah oui, voilà, on n'a pas peur. Si, voilà, je me suis perdu, mais on n'a pas peur parce que aussi on a une structure qui est assez simple, hein. En fait, on est que deux avec Simon. Pour la petite histoire, on était deux auto-entrepreneurs, on a fusionné, enfin, on a lancé une SARL en 50-50. Donc strict 50-50, hein, ce qui veut dire que s'il y a un souci un jour, bah faut qu'on se mette d'accord, sinon ça marche pas. Ça a été un pari qu'on a fait dès qu'on a lancé, enfin dès qu'on a lancé la boîte, et puis même dès qu'on s'est dit en 2009, on se met ensemble. Non, qu'est-ce que je dis moi? 2012, dès qu'on se met ensemble, pardon. Le but c'était, vas-y, on est dans le truc, dans le jus tous les deux. On se met en 50-50, et puis ça marchera, et on trouvera forcément un moyen de se mettre d'accord. Et de toute façon, en étant en 50-50, ça oblige à avoir de la discussion. Donc c'est trop chouette. Et puis Ouais, bah comme on puis est vous bossez, complémentaires. voilà, ouais, puis vous bossez tout le temps ensemble, enfin voilà, en dehors des derniers temps où c'est un peu plus tendu. Mais il y a Pascal Barrière qui te demande si tu peux parler de la FDJ qui ne valide plus les leads et ses affiliés après une certaine date, ce que tu avais discuté en fin d'année, qui a été question renforcée par Smat91 qui dit yes, vu que tu parlais du capping avant la nouvelle année. Ouais, alors en fait, comme je pense bon nombre d'affiliations, FDJ fonctionne avec un budget fermé. Ça, c'est des problématiques d'affiliation typiquement français. C'est en gros, tu as une enveloppe de X milliers d'euros par an, et puis faut qu'elle soit ventilée par Awin le plus intelligemment possible pour que ça puisse être rémunérateur pour l'éditeur et puis intéressant pour l'annonceur. Bref, en gros, avec l'année Covid, dès le mois de mars et le premier confinement, il y a eu un gros mois de mars. Et en fait, genre au mois de juillet, je crois, ils ont déjà fait cramer l'enveloppe de l'année. Ah Et oui. ils ont commencé à faire les premières coupes.
Donc effectivement, en 2019, par exemple, ils avaient coupé, si je me rappelle bien, on avait été capé, nous, sur le mois de décembre, ça avait tenu jusqu'au 13. Et du coup, pour 2020, il y a énormément d'éditeurs qui ont été capés dès le mois de juillet. Et ensuite, au fur et à mesure de l'année, les éditeurs ont été coupés les uns après les autres par ordre de grandeur, entre guillemets. Et du coup, nous, on a résisté jusqu'au 28 décembre, je crois, où il n'y a Ah eu ouais. plus rien pendant les 3 derniers jours. Mais je crois qu'on était 4 ou 5 à la fin de l'année à pouvoir vendre de la FDJ. Tiens, mais c'est Et chaud ça effectivement. quand même quand tu mets en place un système d'affiliation et qu'à un moment tu dis non, non, mais on coupe les vannes. Enfin, c'est Ouais, chaud quoi. en fait, ce qui est hyper frustrant, c'est surtout de te dire, par exemple, là, tu vois, nous, sur la fin de l'année 2020, il y avait un super loto, là, doc, on avait bien bossé dessus, on a bien préparé. Et en fait, tu te dis, bah, les mecs coupent pendant 4 jours, alors que c'est le feu. Et le 1er janvier, minuit une, ça repart parce qu'en fait, c'est une nouvelle année dans leur truc comptable. Enfin, voilà, ça marche comme ça. Parce que les équipes marketing et les budgets sont alloués comme ça. Et ça, c'est le côté frustrant. Donc, au début, tu vois, ça fait déjà 3 ans qu'on entend parler de capping. Nous, ça fait que la deuxième année qu'on a vraiment été capé. Et en fait, tu te rends compte que bah, il y a des réalités aussi économiques derrière. Il y a des réalités où quand tu vois, nous, on est en relation avec plusieurs équipes. Tu sens que les équipes marketing, enfin, en fait, tu sens que c'est des personnes bah, salariées aussi de la boîte, qui ont des objectifs à tenir sur l'année. Qui, une fois qu'ils ont leurs objectifs, bah, ils vont pas forcément en faire 30% de plus parce que l'année d'après, la DG, elle va réussir à te dire, faut en faire 50% de plus. Enfin, tu vois. Et Ouais, non, mais c'est intéressant. j'entends ce que tu dis, mais j'en ai rien à foutre, sans déconner. Ils ont eu leurs ventes, derrière ceux qui leur ont apporté les ventes, ils ont juste à se le mettre profond. Ça, je trouve pas ça GG quand même, hein. Alors, en fait, du coup, bon. Ils te préviennent, hein. Enfin, du coup, tu as un truc où tu es prévenu de bah, salut, ça va se couper, quoi. Ce qui est relou, c'est par exemple pour nous, un site où en fait on fait pas de FDJ comme du display, on l'a intégré dans le design en fait. Et du coup, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que si tu veux couper du jour au lendemain, bah, en fait, Ah tu coupes oui. pour tes joueurs, quoi. Ah mais bien sûr. Ah non, mais de toute façon, Et vous ça, êtes c'est en compliqué, plus ouais. tellement dépendant que vous pouvez même pas vous permettre de les punir. Ça, on est tout à fait. Ils en sont tout à fait conscients. Alors, non, non, alors c'est même pas dans le truc de punition, mais tu sais, c'est le même genre. Par exemple, bon, ça, c'est le problème aussi du monopole. Mais du coup, tu as un truc où nous, là, on a des liens, enfin, c'est vraiment bien imbriqué dans le site. Et en fait, c'est même dans le parcours utilisateur, tu vois. Où finalement, bah, tu as les gens qui finissent par aller jouer, tu vois. Bah oui. Et sauf que là, bah, on a dû bloquer, donc nous, on s'amuse à mettre un petit truc de blog pour expliquer, quoi, parce qu'on ne veut pas justement donner du lien gratos, on ne veut pas donner du trafic gratos. Ah oui, d'accord. Donc non, non, on a bloqué toutes les redirections, il n'y a plus un seul lien qui faisait du trafic sur FDJ, quoi. Mais en contrepartie, de fait, les gens, ils n'allaient pas vers FDJ, donc ils finissaient, j'imagine, par y aller, nous, on leur proposait d'autres offres. Et puis bon, nous, ça nous arrange pas non plus, tu vois, ça arrange, j'imagine d'ailleurs, personne. Mais effectivement, c'est une réalité qui est, je crois, pas similaire dans pas mal de secteurs. Je crois que le secteur bancaire, il est en tension tous les ans, pareil. Ouais, mais c'est complètement débile. Il y a un ROI qui est implicite par rapport à ces choses-là. Donc, je comprends pas, en fait. Je ne vois pas pourquoi ils intègrent ça à un budget fixe alors que ça pourrait être dynamique. Enfin, bref. On n'est pas là pour discuter de leur business model. Ils se démerdent. Il y a SGKZ qui dit, ouais, enfin, c'est valable pour les gros annonceurs comme vous, le capping. Perso, déjà en 2019, la FDJ a win, entre parenthèses, a shave. Donc à couper, je suppose, à partir d'octobre, le capping, c'est la façon diplomate de vous gérer vous, mais pas les petits. Et il rajoute, il faut être honnête, les gars, pour les petits annonceurs, il n'y a pas d'annonce de cut. Ok, bah écoute, ouais, je sais pas comment ils gèrent. Même déjà pour nous, il y a des fois où on n'est pas hyper hyper content. Voilà, on a appris le 28 décembre, on l'a appris à genre midi,
que rien ne serait payé, mais même depuis 1 heure, de minuit une, le jour même, tu vois. Donc ça, j'avais trouvé ça un peu moyen. Après, c'est des relations, compliquées. Je pense que ce qui est, en fait, ce qui est difficile, c'est que tu es vraiment à la merci, tu vois. Et ça, c'est compliqué. Après, c'est toujours hyper. Enfin, t'as le verre plein et le verre vide. Nous, le verre plein, c'est qu'en France, bah, il existe une affiliation, alors que dans beaucoup de pays européens, t'as pas d'affiliation. Donc, tu vois, c'est vraiment compliqué, quoi. Nous, je sais que on a des mails assez salés, hein, parfois avec Awin, des trucs où on se laisse pas non plus monter dessus, dans le sens où on leur dit notre façon de penser, tu vois. Ils en font ce qu'ils veulent, mais on leur dit notre façon de penser. Ça permet déjà d'être hyper ouvert, tu vois, en leur disant, écoutez, nous, on veut être au courant un peu en amont. On veut que vous soyez transparent sur l'argent qui reste. En gros, nous, on a appris depuis les cappings des années d'après que justement, il y avait un budget fermé et on a appris comment il fonctionnait. Et en gros, effectivement, c'est de la gestion. Et donc, nous, c'est, bah non, en fait, c'est mort. En 2019, ils ont dit, ouais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de baisser la voilure un peu sur FDJ pour mettre d'autres annonceurs, pour en gros lisser le budget jusqu'à la fin de l'année, tu vois. Je lui dis, bah, écoutez, moi j'ai un gros événement dans une semaine, non, je vais pas te lisser la voilure, hein, je vais y aller, et puis même si ton budget il est cramé 2 mois avant, moi je m'en fiche, tu vois. Parce qu'en fait, mon joueur, il a d'une, pour moi, il est plus présent à des moments clés, et puis ensuite, il y avait des notions de valeur, tu sais, genre il disait, ouais, bah, le lead pourrait coûter enfin 30% moins cher, genre pour tenir l'enveloppe, tu vois. Je fais, bah, ouais, mais moi, en fait, mon joueur, il a la même valeur en début d'année. En fin d'année, donc ça ne va pas non plus. Donc non, faut discuter. Après, Ouais, c'est de la négo. Après, c'est ce que dit SGKZ, hein. Vous avez des relations directes, c'est votre avantage, c'est clair. Ouais. c'est sûr. C'est parce que il a l'air de connaître le sujet, mais en tant que petit, et oui, je pense que les relations directes, vous les avez pas tous, hein. Non, alors du coup, bah, d'ailleurs, c'est quoi? Ça me permet de rebondir sur le fait, sur l'importance. En tant qu'éditeur, je pense d'aller au fond des choses. C'est que par exemple, là, on fait ce cas-là, mais Frédéric, pour la banque, avait eu le même cas. Il avait eu justement une notion où les bancaires, elles étaient enfin, écapées à fond. Et en fait, lui, il lui a dit, bah, écoutez, nous, on vous envoie je ne sais pas combien de milliers de leads par an, donc vous démerdez, vous coupez tout le monde, mais nous, on reste. Et en gros, c'est ce qui s'est passé, quoi. Les mecs, ils ont réussi à faire interdire les nouveaux entrants sur des programmes. Enfin, tu Ils vois, ont une capacité de négo. Ouais. c'est ça. Après, il y a Smat91 qui dit Yes, en génération de lead, il y a pas mal de capping. Alors, je pense que tu parles de la génération de lead de manière globale. Smad, je comprends l'idée qu'il y a un budget fixe, blablabla. Je comprends aussi que si tu fais du lead travaux, par exemple, il y a un moment donné où tu achètes du lead, certes, mais tu n'as pas forcément suffisamment d'artisans dans ton lot derrière pour pouvoir faire toutes les demandes. Moi, j'ai déjà eu plusieurs clients dans le lead travaux. Et à un moment donné, les boîtes comme 1-2-3 Devis ou travaux.com maintenant, leur avaient dit non, mais stop, stop, vous nous en envoyez trop, on ne peut pas assumer, quoi. Donc, oui, forcément, parce qu'il y a. Derrière le lead, il va avoir une répercussion sur un ensemble fini. Alors que jouer au loto, l'ensemble, il est infini, quoi. Et tu peux faire jouer au loto autant de gens que tu veux. Tu peux faire des inscriptions en banque autant que tu veux. Enfin, encore plus au loto, quoi. Parce que l'auto, tout est automatisé, tu n'as même pas d'impact humain quasi. Donc, c'est juste une blague, quoi. C'est un argument qui est pas recevable pour moi. Ouais, j'entends. J'entends, et puis surtout qu'il balance des sommes incroyables dans de la télé, dans de la pub média. Enfin, mais ok, écoute, je suis d'accord. Pour le coup, ils ont plutôt ouvert, nous, l'année dernière, donc on se plaint pas. Après, c'est sûr que, enfin,
Du coup, c'est intéressant cette discussion parce que je pense vraiment que y a un truc à faire quand tu es éditeur. Il y a vraiment un truc. Soit tu es éditeur en mode en zone fermée, tu vois, genre tu as des éditeurs qui se contentent, entre guillemets, de faire, tu vois, des produits PVN pour faire de la vente de liens et puis ça leur fait leur bise et ça roule comme ça. Ok, allons bon, tu vois. Par contre, si tu fais des types MFA ou type, enfin des petites multitudes de petits sites, entre guillemets, quand je dis petits sites, c'est des sites où tu vas pas aller beaucoup plus loin et que tu vas mettre un peu ta monétisation que tu veux et puis tu vas être allé dans le ventre mou de la SERP, et ben forcément, tu vas jamais peser, entre guillemets, pour tel ou tel annonceur et peut-être tu vas pas non plus connaître des alternatives que tu pourrais prendre, des switches que tu pourrais prendre. Tu vois, je pense par exemple, on a fait intervenir au Webcam, t'as vu, j'arrive bien à le placer. On a fait intervenir le mec de Alexandre de Bon Plan, Meilleur Bon Plan New York, je sais plus, la Bon Plan New York, Voyage New York, bref, le leader sur ce truc-là. Et le gars, il est passé de un blog voyage à une multitude d'agences de voyage aux US. Ah Et ouais. donc le gars, il est passé de il commence par faire des commissions booking, après il fait de la commission avec le New York Pass, il finit par mixer un peu tout ça, et puis aujourd'hui en fait bah il fait des tours complets depuis Paris en prenant son billet d'avion, et puis vas-y que tu vas à New York, et en fait comme son site est leader sur le secteur, il s'est dit bah je vais créer typiquement mon produit. Alors lui c'est son agence, tu vois. Et ça, je pense que c'est la bonne solution. C'est-à-dire que je serais curieux de voir le chiffre qu'il a dégagé avec cette création d'agence comparé à avant, lorsqu'il était juste éditeur. Mais je pense que le switch, il peut être gagnant, tu vois. Ah bah c'est sûr. C'est sûr et certain. Et je pense que du coup, ça a creusé, en tout cas, aujourd'hui, avec comment les algorithmes évoluent. Avec comment tout ça évolue, avec un peu la professionnalisation de notre secteur depuis longtemps, avec le fait qu'il y ait beaucoup de gens quand même qui veulent réussir à gagner de l'argent sur Internet. Je pense, moi, que c'est un bon investissement de se lancer dans quelque chose. Et par exemple, moi, je pense que se lancer dans quelque chose qui t'anime, c'est ça qui va potentiellement te faire réussir si tu n'as pas une capacité énorme d'automatisation ou autre. Je te fais un exemple. J'ai une grosse envie, depuis longtemps là, de faire un site sur les camping-cars et sur les fourgons aménagés, justement. Et je vois en fait le modèle économique que j'ai. T'es Covid, Non, non, je fume. toi aussi? Et du coup, bah, je vois par exemple. Donc, au départ, tu peux te dire, je vais en faire qu'un site, puis je vais parler de fourgons aménagés, je vais attirer des punks à chiens, et puis trois retraités qui ont envie de s'acheter un fourgon. Et puis en fait, tu creuses un peu et tu te dis, bah attends, je peux peut-être faire quelque chose en termes de location. Je peux faire quelque chose avec une banque parce qu'il faut avoir un crédit si tu veux du neuf pour un camping-car, puis ça coûte les yeux de la tête. Avec les aménageurs professionnels, avec même carrément les marques Westfalia et tout, hein, C'est ça. Et carrément. du coup, et puis tu peux ratisser en fait hyper large, quoi. Tu peux faire de la commission de vente de véhicules neufs jusqu'aux aménageurs particuliers qui vont t'aménager. Toi, tu arrives avec ton T4 vide et puis ils vont te faire ton petit bloc et tu reprends de la com. Donc bref, les opportunités de monétisation, par exemple, sont hyper vastes sur ce secteur et c'est un secteur qui a le vent en poupe. Si tu t'amuses un peu à faire du partenariat avec des mecs qui partent faire le tour du monde ou autre machin, enfin, je veux dire, c'est carton assuré. Et on parle, tu vois, je sais pas moi, la vente d'un fourgon aménagé, on parle d'un panier moyen à 60 000 balles, tu vois. Donc, si tu fais 5%, 5%, ça fait combien ça? Ça fait 3 000 balles. Bah, 3 000 balles par vente, ça peut aller vite, tu vois. Ça peut Oui, aller c'est vite. sûr, c'est sûr. Donc, C'est sûr, non, mais de toute façon, il y a des idées de monétisation. Il n'y a pas besoin de se creuser trop la tête pour en trouver. Après, il faut actionner.
Entre trouver l'idée, actionner, prendre son téléphone, sa boîte mail, contacter les gens, réussir à les convertir à ton idée, alors qu'ils n'ont pas envie de se faire chier avec ça parce que ils vivent déjà très bien, ça c'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches. Ouais, ça c'est sûr. Après, tu vois, c'était marrant parce qu'il y avait. Alors, tu vois, là, je parle de ça parce que c'est quelque chose que je connais sur le fourgon aménagé qui me passionne. Et du coup, j'avais vu déjà des trucs qui n'existaient pas du tout. C'est par exemple, t'avais pas de site qui répertoriait de façon neutre l'intégralité des équipements. Et puis, en fait, te faire un espèce de moteur de recherche qui pourrait correspondre exactement à ce que tu veux. Donc, je sais pas moi, T4, t'es plutôt adepte du off-road ou plutôt t'es pépère dans ton aire de repos, etc., etc. Et en fait, à la fin, ça te sortait avec ton budget, ça te sortait forcément une réponse. Ça pouvait être une regex le bon coin, tu vois, comme bah, tiens, le profil type du super fourgon qui correspond exactement à tes trucs. Et donc je me suis dit, bah là, tu vois, il y a quelque chose où moi, en tant que passionné et que j'ai envie de faire du voyage dans tel ou tel ordre, eh bien ça, j'adorerais avoir ça, tu vois. Et limite, je suis prêt à payer 50 balles pour avoir l'info, ou alors payer un coach, tu vois, entre guillemets, mais quelqu'un qui vient une heure au téléphone et qui pourrait m'orienter, parce qu'en fait, tu perds juste des heures énormes. Enfin, tu perds. C'est passionnant, mais tu vois, tu pourrais te dire, attends, en fait, je te fais gagner juste 30 heures, je te fais gagner le Paris, le Bourget, le salon tu vois, du camping-car, je te fais gagner tout ça, juste en disant, ok, vas-y, avec mon expérience, entre guillemets, je peux te permettre d'aller vite sur tel ou tel type de porteur, tel ou tel type d'intérieur. Parce que ça te parlera plus. Et donc, je pense que tout le monde a entre guillemets, des passions. Et ce serait intéressant de voir comment tu peux le monétiser. J'entendais parler Jackie, là, sur les. S'il refaisait un peu son business depuis le début, qu'il irait forcément. Enfin, qu'il irait vers les infoproduits. Et ça, c'est un vrai truc, hein. Les infoproduits, tu peux finalement réussir à monétiser de la niche. Et si t'es bon et si t'es Attends, passionné par ce que tu précise fais, j'y infoproduit. crois. De quoi? Précise infoproduit. Je sais pas, ça peut être soit de la formation, soit de. J'en sais rien. Bah, par exemple, là, typiquement, c'est, tu vois, coach de recherche de fourgons aménagés. Donc après, toi, tu fais ta chaîne YouTube sur voilà, ton expérience de Tour d'Europe, ton expérience à chaque fois que tu vas faire quelque chose. Et puis, pour qui, pourquoi, l'hiver, il faut tel chauffage Ah plutôt oui, que tel d'accord. chauffage, la raison d'un panneau solaire, enfin, dans ma truc, je saurais t'en parler, tu vois. Mais et puis du coup, bah, tu construis quelque chose de l'ordre d'un infoproduit à vas-y, voilà comment faire ta recherche en, tu vois, je sais pas, en une heure, voilà les points à regarder. Ouais, ça c'est des trucs. Après, c'est pas évident. On sort un peu trop du sujet, je pense, sur ces histoires-là. Je voulais revenir quand même par rapport au sujet juste avant avec l'affiliation FDJ. Est-ce que l'ouverture au capital du capital FDJ vous a fait des changements ou pas du tout? Zéro, nada walou, que Zéro? dalle. Ah Non, ouais? zéro, Bon, pour zéro, zéro. l'instant, après peut-être qu'il y en aura, mais... Alors ouais, pour l'instant zéro. En fait, pour tout dire, à la base, il y en avait qui disaient ça pouvait vous nuire, d'autres qui pouvaient ça pouvait vous aller mieux parce que c'était ouvert. En fait, la réalité, c'est que aujourd'hui, FDJ a des besoins de générer du bénéfice pour les actionnaires. FDJ reste en monopole pour 25 ans. Donc en vrai, ça n'a pas beaucoup changé. Le seul truc qui a changé, c'est leur politique digitale qui s'est. Genre, ils sont maintenant sur du full numérique, quoi. Les mecs, ils mettent le paquet sur leurs applications, le machin. Ils ont commencé à faire des pubs télé sur ça. Enfin, genre, c'est des mecs, ils mettent tout dessus. Ils font all-in et genre, ils ont fait, je Oui, crois, puis leur l'équivalent. application en mode Bit Casino, là. C'est ça. Ouais, tu m'as L'idée, fait halluciner c'est. quand tu m'as montré ça. Là, ils ont fait une application où tu peux parier 50 centimes ou même 25 centimes juste en un clic. Mais c'est monstrueux, ça c'est horrible, ça. Ouais, du coup, ils sont sur quelque chose d'effectivement qui se rapproche du casino, qui se rapproche aussi, il y a certains jeux de skill game.
alors qu'ils sont interdits en plus pour les autres. Enfin bon, Ouais, mais ouais, effectivement, ils vont à fond, fond, fond là-dessus. Ils ont compris que tout se passait en ligne. Et puis, avec le confinement et le Covid, ils ont fait, je crois, une année pour six, là. Ils ont fait des Ah ouais, non, recrutements mais en masse, quoi. là, c'est violent, là, ouais. Ok, est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu du on-site ou pas? Alors attends, juste, je réponds juste à des questions qui ont été posées juste avant sur Twitter, avant le début. Ah oui, exact. Ouais, j'en ai une, c'était Victor qui disait, comment prends-tu la décision de racheter un site déjà en plus un concurrent et pour quelles raisons? C'est une bonne question. Alors écoute, on a juste nous racheté lotriplus.com. Parce que c'était un site complémentaire. Donc nous, on va voir la complémentarité du site. Donc là, par exemple, dans notre secteur, nous, on était beaucoup plus médias et on prenait beaucoup plus le trafic le jour des gens qui faisaient du tirage, qui allaient choper le résultat. Et Lotriplus, c'était quelqu'un qui avait, c'était un site spécialisé sur l'Euromillion avec des statistiques, plein de trucs poussés, et puis finalement une communauté derrière qui sont des joueurs passionnés qui jouent à chaque tirage. Et donc c'était une audience qu'on n'avait pas du tout. Au-delà de ça, ils étaient très bien positionnés en ranking sur l'Euromillion. Et donc on a eu 9 mois de négociation pour réussir à le choper. Donc voilà, donc en fait c'était tout ça. C'était l'idée, c'était voir la complémentarité du site comparé à ce qu'on a déjà, son pouvoir SEO, donc ancienneté, ce qu'il a tenu la route, pas trop en fait le lien plutôt que le ranking. Ouais. Et puis s'il y a un nom de domaine derrière qui est brandable, donc là Lotriplus c'était un nom de marque déposée, il existe depuis 2004, il a tous les trucs .com, .fr, .net, .machin. Tu regardes le Similarweb, les gens connaissent Lotriplus. Enfin, donc du coup, il y avait quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Et c'est ce qui nous a motivés à racheter ce site-là. Ensuite, en 2020, 2019, je sais plus, on a racheté des petits sites dans le secteur aussi. Alors lui, c'est plus c'est uniquement par ranking et par ancienneté. On voit les sites qui traversent les mages, hein, clairement. Donc c'est des sites qui appartiennent pas à des SEO. On cite des sites qui appartiennent pas à des SEO, des sites qui sont moches. Non mais c'est vrai. Et en fait, il y en a quelques-uns qui sont vraiment bien. Généralement, ça coûte pas trop cher. Et puis, c'est des sites qui sont entre guillemets, enfin à gros potentiel quoi. Là, nous pour l'instant, on les rachète. On change un peu de contenu, on se met des liens vers nos monnaies, et puis voilà, mais on les laisse un peu vivre. Mais l'idée, c'est, en fait, chaque site d'ailleurs va avoir sa ligne propre. Donc la plupart aussi, c'est des sites qui sont vraiment, c'est des vieux sites hein, avec des gens qui sont là, qui vont pêcher des infos hyper précises. Et c'est des trucs qu'on n'a pas avec Tierge Gagnant à la base. Donc on va prendre un peu tout ça. Et l'idée, bah, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'il peut nous apporter en tant que SEO pur pour le coup. Et puis ensuite, c'est vraiment encore la notion de valo, hein. La notion de valo, elle est toujours là. Si demain on peut racheter des gros du secteur pour prendre plus de place entre guillemets sur la SERP et plus de que chaque fois qu'on clique, ça finisse par arriver chez nous, ça nous plaît bien. Après, on fait pas nous de fusion, par contre derrière, les sites restent eux-mêmes. On ne bloque pas plusieurs trucs. À l'avenir, l'idée, ça serait quand même de pouvoir générer une communauté globale. Et donc, peut-être de là-dessus, pouvoir utiliser nos espaces pub, par exemple, pour la promotion d'une appli ou d'un site spécialisé, quoi. Donc ça, c'est l'avenir que vous prévoyez à tirage gagnant, quoi. Ouais, l'avenir, c'est faire de nouveaux formats pour vraiment avoir un côté édito hyper quali, renforcer nos liens avec les presses locales, renforcer nos liens avec des presses nationales. Ça, c'est pour le gros truc. Et puis ensuite, c'est monter une communauté et puis du jeu derrière en lien avec ça, quoi. Ok. Oui, En gros. Marco Verratto, il y avait un son bizarre. Je pense que tu dois pas être bien loin de l'église. Ouais, on est juste, on a la vue sur la cathédrale. Ouais. Donc ça doit être ça, ouais, on est juste à côté. Je pense. Attends, et alors Eddie juste. Guillaume qui demande si tu es intéressé par des sites de jeux concours.
Non, on a fait du partenariat, on fait du partenariat avec le démon du jeu, jeu concours bise. Le démon Mais du jeu. tu rigoles, c'est des vieux de la vieille, ils sont là depuis 2000 aussi. Mais c'est des jeux, c'est des sites, c'est en plus trop drôle parce que tu te retrouves avec des sites que moi j'utilisais à l'époque en tant qu'internaute, donc c'est trop bien. Et les mecs sont encore là, et en fait c'est des super gros sites. Mais non, on fait pas de jeux concours encore. Comme je parlais en fait. On n'a pas trop parlé état d'esprit pur, mais du coup, nous, on n'est pas des forçats du boulot. Et l'idée, c'est pas de le devenir trop. Donc l'idée, c'est plutôt de réussir à avoir un équilibre entre les sites, le boulot et le faire bien, et puis une vie, tu vois, derrière qui puisse être vraiment, vraiment chouette. Donc là, l'idée cette année, par exemple, ça serait de. Je crois que j'étais parti sur faire un 8-12 tous les jours. En dehors des tirages, parce que attention, le soir c'est de l'astreinte et c'est super chiant, Ouais. comme on le fait nous. Mais réussir à faire quelque chose comme ça, alors après, ouais, c'est intéressant. Ça, on pourrait parler de l'envers du décor, hein, c'est hyper lourd. Je me rappelais Polo SEO à Bayonne, putain, ça fait 6 ans peut-être, au SEO Camp de Bayonne, qui nous voyait faire le résultat avec le PC, déjà à l'époque, hein, qui disait, mais les gars, faut automatiser ça, machin, machin, et puis. Je vous l'avais dit aussi, j'avais halluciné aussi, ouais. C'est ça. Et du coup, Mais il n'y a pas de solution. tu te retrouves 7 ans plus tard à continuer à faire ça et Ouais. à te dire, écoute, en fait, on a une demi-heure d'avance sur tout le monde et tout pendant qu'on a ça, bah, on continue. C'est ça. Mais ouais, donc c'était marrant. Il y avait une autre question sur Twitter. Attends, comment ça se Alors passe? attends, ouais, moi j'avais Sylvain qui disait, quelle tâche sous-traitez-vous majoritairement? Alors aujourd'hui, rien. On va faire appel à du dev. On fait quelques petits audits par des gens spécialisés comme Frédéric ou Erwan pour la perf web. Ensuite, avez-vous mis en place des actions spécifiques pour la catégorisation Y de tirage gagnant? Non, on n'a rien du tout touché là-dessus. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment catégorisé là-dedans. Donc je sais pas trop en vrai. Après je sais pas si le profil de lien nous sauve ou je sais pas du tout comment ça se passe. En tout cas on n'a jamais réfléchi à quoi que ce soit au niveau justement des différentes pénalités sur des sujets chauds. On n'a jamais été emmerdé. Ok. Tu rigoles de quoi? Non mais oui, je rigole du... Ouais, non, on s'est même pas posé la question. je vois ça. Non, bah, tu sais, c'était l'idée, hein, l'état d'esprit de base, c'est en fait, je me sens un peu loin d'ailleurs du SEO pur. Enfin, loin, je fais pas vraiment du SEO pur. J'ai quand même, j'ai ce logiciel-là, qui parfois d'ailleurs m'amène à faire des trucs avec moins grande valeur ajoutée que si je fais d'autres choses. Puis parce que ça me fait triper quand même. Hein. Mais j'essaye de m'en séparer un maximum. Pour justement me dire, attends, ok, je me concentre sur ce que sur moi en fait. Enfin, en fait, je me dis juste, basiquement, hein, on va parler du persona, enfin, tu vois, juste une minute, quoi, c'est, je suis un joueur, moi, personnellement, je vais sur un site, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Qu'est-ce que j'ai pas envie de voir? Comment j'ai envie de naviguer et tout ça. Et plus du coup, tu deviens spécialisé, et plus d'ailleurs, t'affines ce truc-là, quoi. Ouais, clairement. C'est intéressant. Et juste, il avait dit, avez-vous eu des problématiques juridique lié à votre positionnement sur les mots-clés de marque. Alors non, jamais eu de problème juridique sur les mots-clés de marque. Par contre, dès qu'on avait acheté des noms de domaine avec le mot Keno, Loto ou Euromillion, on se les a fait gentiment reprendre par les avocats FDJ. Oui, bah là, oui. Mais genre c'était Kenomania, tu vois. C'est pas foufou quoi. Keno, ça reste un truc, c'est un jeu historique, antique, tu vois. Ah ouais, mais c'est leur C'est job. pas que FDJ. Mais ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, je pense qu'ils n'étaient même pas eux au courant, parce qu'il y a des sites qui sont encore bien présents avec les mots-clés dedans. Donc je pense qu'à partir d'un moment, ils se sont dit, ils ont des alertes, tu vois, et ils récupèrent tout. Et Ouais. comme il s'agit de sites partagés, comment gérez-vous le bénéfice? Bah, du coup, on est en SARL 50-50. Voilà, il n'y a pas de contractualisation. La domaine appartient à la SARL. Donc voilà, on a 50% des parts chacun. T'avais déjà répondu, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, on se fait un petit tour vite fait des opti on site qui ont été faites.
Alors, tout à fait, Option Site. Alors, Alors, c'est. je remets un contexte ou pas? Ouais, remets un contexte, ouais. Du coup, en mars 2020, donc on était pendant le confinement, et puis tout à la fin du mois de mars, putain, je commence à avoir des trucs hyper incohérents sur les requêtes, donc sur des requêtes jour notamment. Donc par exemple, je tapais l'auto 30 mars, 30 mars, et il va me sortir l'année 2017, alors qu'il y avait un tirage le soir même. Puis du coup, je me disais, bah, putain, c'est quand même bizarre, il faisait sauter les catégories pour foutre ces pages-là. Donc je me suis dit, bah, il y a quand même un souci, je voyais qu'on perdait une place, deux places, putain, ça me plaisait pas trop comme truc. Et donc, je suis allé voir quelqu'un, Frédéric Bobet, pour lui dire, écoute, on a un souci, voilà les pages qui ressortent, et ça me paraît bizarre. Est-ce que tu trouves une raison? Est-ce qu'il y a une raison valable? Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu peux nous faire une petite visualisation du site et me dire si c'est un peu pour... Voilà. Voilà, et donc j'ai assez rapidement vu une cannibalisation en fait. Donc ça me posait un petit souci de voir justement que Google s'en mêlait les pinceaux et qu'il arrivait à ressortir des vieux trucs de 2017. Attendez, je coupe Skype parce que sinon ça va être la misère. Hop. Et donc, ben, je lui dis, mais attends, ces vieilles pages là, pourquoi elles sont là, quoi? Pourquoi elles sont encore là? Et donc, ben, j'ai analysé, j'ai audité l'ensemble de la structure du site, qui était ça à l'époque. Donc voilà, tout de suite, il y a des choses qui sautent aux yeux, comme cette espèce d'énorme horreur là. Où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis bon, après, ben, quand on commence à faire une spatialisation du site, on se retrouve finalement avec les plus gros points qui viennent s'écarter. Et puis cette galaxie-là, parce que derrière tous ces points, il y a plein de petits points cachés. Et finalement, le centre du site qui commence à s'orienter énormément vers toute cette petite galaxie, cette énorme galaxie, pardon. Et donc en fait c'était un ensemble d'archives des résultats du loto qui n'avait plus aucune réponse à aucune intention que ce soit quoi. À part peut-être des gens qui veulent faire des statistiques, des choses comme ça, parce qu'il y en a, mais bon, ça servait à peu près que à ça. Et puis il aurait fallu que les mecs ils scrapent l'entièreté du site en gros et des archives pour pouvoir en tirer des statistiques. Alors, en fait, du coup, juste pour éclairer, ça, c'était des pages, en fait, ce qu'on appelle jour, c'était des pages un peu actu, où je mettais 400 mots à chaque fois, qui avaient finalement, je pense, au bout de 5 ans, à peu près la même structure, les mêmes mots, le même truc. Et puis, du coup, pour pallier, en fait, à ce truc-là, on a réussi dans le résultat, dans le la catégorie. On peut maintenant, les personnes, elles peuvent retrouver, en fait, hein, tous les résultats par année, tout ça. Il y a un petit module bien fait, hein, qui permet aussi aux gens qui ont de l'intention de récupérer Ouais, le tirage qu'ils souhaitent, quoi. vous l'avez pas mis à la poubelle, mais par contre, vous l'avez Non. ôté du scope Google pour justement éviter qu'il y ait un tas de pages qui servent plus à rien, en tout cas qui répondent plus à aucune intention, qui soit dans l'index Google, quoi. Ça. Non, Yannick, on n'a pas fini, non. Il voulait lancer le replay, Yannick, tu sais. Non, J'ai non, on vu est ça. toujours là, écoute. Et Benji, c'est quoi le nom de l'entreprise de ce Frédéric Bobet? Ben écoute, c'est Tricaya Communication. Voilà, moi dans l'idée, je lui dis, ça c'est vraiment, ça pose un sérieux problème, parce que ben, déjà, et là on va pouvoir en parler, le taux de crawl, le crawl budget est énormément consommé par ces pages qui ne visent plus aucune intention. Et donc là, ça commence à poser un sérieux problème. On parle de dizaines de milliers de pages, si je ne m'abuse. Non, un peu moins. Je Un crois peu qu'on moins. a dû, non, ouais, je crois qu'on a dû virer
4000 pages, il doit en rester 1000 Ouais, on traités. parle de milliers de pages sur un site dont les pages qui génèrent du trafic se comptent pas du tout par milliers, quoi. C'est ça. Et donc, on est arrivé à ça. Je vous l'avais encore jamais fait. Je l'ai Non. fait en live, là. C'est ça, je découvre. Donc, c'est encore pas non plus la panacée, hein. Il nous reste encore pas mal de choses à élaguer. Mais il me semble que c'est déjà un petit peu plus concentré et surtout moins explosé que cette structure-là. Bon, cela dit, on aura encore des choses à voir, les amis, hein. Ouais, mais parce que Parce que là, par exemple, voilà. on a ouais, mais ça, là, ça doit être que des pages actu Ouais. qui sont là, et du coup, ouais, là, c'est le fameux travail que je te dis que je parlais là depuis 2013. Je reprends toutes les pages, celles qui servent à rien, je les fais sauter. Celles qui servent à quelque chose, je leur mets une structure comme j'ai envie de leur mettre une structure en ce moment, avec ajout de Ah, parce que contenu. Nico est un grand manuel, comme il disait, hein, au début. Toujours, Donc, toujours. il y a plein de choses qui Enfin... auraient pu être faites avec du spin, mais non, il fait du spin à la main, lui, hein, il est... C'est Nico, quoi. Il est trop fort. Et donc, ben, ce travail-là nous a emmené à quelque chose d'assez intéressant qui m'a fait ultra flipper l'autre jour. On va prendre Yuda. Ah oui, ton fameux... Vas-y, oui. Et Je vois. c'est quelque chose qu'on a discuté aussi avec Xavier Ouais. Nodot, parce que bah, j'avais justement cet exemple sous la main qui était très intéressant, et je vais vous montrer ça. Donc, dans l'idée, c'est pas du tout ça, c'est tirage. Ah, je vais y arriver. Ça y est, c'est l'heure à laquelle je fatigue. Il faudrait que j'organise une pause quand même, à un moment donné dans mon stream, parce que quand il dure plus de 2 heures, j'arrive toujours à un moment où je suis perdu, quoi. Et donc, au final, voilà, si on suit qu'un seul KPI, eh ben, on se retrouve face à cette courbe où on se dit, nom de Dieu, c'est la catastrophe, c'est l'énorme catastrophe. La décision que je leur ai fait prendre, ça donne une espèce de gouffre pas possible derrière. Et là, je me suis dit, waouh, c'est la merde. Sauf que si on clique sur trafic SEO, ben, on se rend compte qu'en fait, la courbe de trafic, elle fait le contraire. Alors, tu me disais que sur Analytics, vous n'aviez pas cet effet-là. En tout cas, c'est bien plus écrasé. Ouais, mais c'est intéressant, vas-y, Mais en tout cas, c'est vous n'avez pas eu de l'idée là. perte de trafic malgré une perte officielle de visibilité. Ça, c'est évident. Hein, vous avez clairement perdu de la visibilité. Et en fait, ils ont perdu des centaines, des milliers même de positions sur des mots-clés qui ne visaient plus aucune intention, donc qui ne généraient plus de trafic. Et on voit bien qu'en plus, ça a permis de renforcer des positions sur des mots-clés qui, eux, génèrent du trafic, mais qui sont en moindre nombre. Yes, bah écoute, c'est intéressant, je m'étais pas penché dessus, je vois ça que ça fait vraiment des ups violents. Ce qui est sûr, c'est que, en fait, en faisant ça, clairement, au-delà des pages qui étaient sans intention, nous, c'était des pages avec, je disais, un contenu que je me faisais chier à faire tous les jours, mais qui, en fait, je pense, au bout de 5 ans, se ressemblait. C'était des intentions qui étaient percutées avec Google qui se disait bah, le 30 mars, je peux y filer le loto du 2017 parce qu'en fait, ce jour-là, il y avait eu des liens sur cette page-là, il y avait eu 50 000 personnes qui étaient passées. Et en fait, le mec, il s'est dit bah, vas-y, le 30 décembre, le loto, c'est cette page-là qui est super intéressante. Sauf qu'en 2020, les gens, ils n'ont plus du tout envie de voir le résultat de 2017. Donc effectivement, on est passé sur cette grosse, grosse purge qui nous a fait gicler 75% des pages du site. Et très rapidement, on a revu les catégories ressortir sur la SERP. Donc on avait ces fameux liens catégories qui nous plaisaient, qui remontaient avec le lien du dernier tirage. Parfait, on avait notre fameux double lien qu'on aime tant. Et qui avait disparu au profit d'un seul lien. Et puis, quand c'était un seul lien, c'était un qui avait 3 ans d'ancienneté. Donc là, il y avait une couille dans le potage. Il y avait quelque chose qui comprenait pas, qui comprenait mal. Donc voilà, effectivement, ça c'était le gros, gros truc de 2020.
Et pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur la technique utilisée, je peux la dire là, mais en gros, c'était toutes les semaines, en fait, on a créé un sitemap XML des pages supprimées. Et Simon m'a généré un petit truc où je pouvais, en fait, dès que les pages étaient désindexées, je pouvais les sortir du sitemap. Tout ça. Donc, je me suis amusé à ça pendant 8 mois. À raison de 1 heure par semaine, hein, mais du coup, c'était mon petit travail toutes les semaines. J'allais regarder les pages qui avaient sauté de l'index, je les sortais du sitemap, etc., etc. Et puis, du coup, aujourd'hui, on fonctionne avec des redirections au bout d'un certain temps pour ces pages-là qui deviennent obsolètes. Voilà. Mais dont les résultats restent accessibles pour les joueurs sur la catégorie mère du site, quoi. Histoire de ne pas perdre le côté utilité de ce résultat. Par contre, le côté utilité de la page en tant que telle, elle ne sert plus à rien, quoi. Donc voilà ce que ça donne avec une petite spatialisation qui s'est passée très vite sur cette structure-là et qui est encore en cours ici, où on voit bien que là, ben, il y a la supernova qui est en train de se transformer en trou noir et de tout engouffrer. Et si on laisse continuer la spatialisation, on va voir que la page d'accueil finit même par se faire attirer par cette énorme galaxie de pages qui ne servaient plus à rien. Et donc ici, on a bien la page qui reste complètement au centre avec des pages primordiales pour vous qui restent bien autour et bien agrégées, quoi. Et d'un point de vue strict, un peu technique, parce que je suis pas technique, mais je me suis rendu compte quand même qu'on s'est fait pénaliser plusieurs fois dans la vie de tiers gagnant, mais auto-pénaliser par des grosses couilles techniques. Et en gros, là, par exemple, donc on a 75% de pages en moins, on a vu une hausse du taux de crawl. Merde, je t'ai perdu. Non, non, je suis là. Non, c'est bon? Ok, parce que ça lag, je suis en live pour voir s'il y a des questions. Enfin, du coup, je mets en décalage. Et du coup, on a 75% des pages qui ont sauté. On a donc plus de crawl. Du coup, c'est assez simple de se dire que le moteur doit repasser genre 4 fois plus rapidement sur les pages qui restent. Bah ouais. Et ça, c'est quand même chouette. Après, en termes Bah de surtout que position. vous tablez sur Google Actu, quoi. Ouais, en bonne partie, et Bon, c'est pas le surtout, même bot, remarque, hein, tu vas me dire. non, mais après, en vrai, je sais pas, je saurais pas te dire, en fait, c'est ça, je saurais pas te dire, pour moi, je pourrais pas te donner quelque chose de, ah oui, ça a vraiment fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est qu'on a récupéré nos catégories, nos sous-catégories, et que le site paraît plus clean dans le sens où, de toute façon, on a supprimé des pages qui nous servaient à rien. Donc ça, de base, maintenant, moi, j'ai un peu comme le syndrome, tu sais, de quand tu jettes des trucs chez toi qui te servent à rien, ou quand tu vides ta cave, tu vois, d'un truc qui restait dans ta cave, tu vois. Et donc, du coup, j'ai ce truc-là de, bah, quand je vois une page, maintenant, c'est marrant, j'ai changé mon état d'esprit en me disant, OK, cette page-là est-elle utile à quelqu'un? Si la réponse est non, bah, je la vire. Et donc, c'est marrant parce que enfin, c'est marrant, c'est pas drôle, je vois le nombre de pages de merde qu'il y a depuis 7 ans, Ouais, ben ouais. et ça me désespère. Mais Mais, ça, c'est sur des mais... sites qui ont un historique, c'est pas rare de tomber sur des choses comme ça. Je me souviens encore de votre réaction où vous m'avez demandé plusieurs fois, non, mais t'es sûr de refaire, c'était vraiment sûr de toi. Bah ouais, parce que du coup, nous, tu vois, ce qui est ouf, c'est que toi, tu vois les heures passer, quoi. Tu vois les Ben ouais. heures passer, tu te dis, bah, en fait, j'y ai passé juste 1 heure pour chaque page, je suis en train de les dégommer. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ma page, elle me porte vers le bas plutôt qu'elle me porte vers le haut, quoi. Exactement, voilà. Mais c'est intéressant, hein, parce que du coup, tu sais, c'est pour ça aussi, j'en reviens du pure netlinking, j'en reviens de tout ça, parce que. C'est hyper important. Genre aujourd'hui, tu as de la popularité, machin, c'est chouette. Il faut, tu vois, sinon tu rentres pas. Après, à un moment donné, si ton but, c'est d'être premier, ou deuxième, ou troisième, hein, tu vas devoir te confronter à d'autres choses. Donc sur du on-site, tu vas devoir te confronter à des pages qui ont vraiment de l'allure, qui sont intéressantes, que tu dois absolument, enfin, qui correspondent totalement à une intention derrière. Ça, c'est clair. Par exemple, c'est vrai que la course au mot-clé positionné, Julien, moi, ça fait une paye, je regarde pas, tu vois. Je regarde pas, et en fait, bah ouais, tu te dis, ah ouais, c'est trop bien, putain, je suis positionné
sur tous les trucs, genre, vas-y, loto, 10 mars 2016, je suis positionné, c'est génial, tu vois. En fait, ça fait 4 ans que personne tape ça. Donc, C'est du ça. coup, c'est vrai que ça fait totalement revenir, tu te recentres, en fait, sur de l'essentiel, quoi, clairement. Et tu te dis, ok, mon site, il sert à quoi? Il sert à qui en ce moment? Et tu peux te concentrer justement sur des pages à potentiel. Donc, plus de pages fixes, moins de pages poubelles, entre guillemets. Et ouais, en tout cas, ça a été un gros travail. C'est un travail sur 2021 là, qui va continuer. Et sur le site même, c'est vraiment un gros taf. Et moi, je pense que c'est ce qui peut nous faire passer avec l'optimisation, peut-être un peu de perf et de la page en. Enfin bref, en gros, on essaie de trouver comment on peut passer devant notre putain de concurrent historique. Parce que c'est des positionnements en jeu, hein. Du coup, c'est des positionnements quand tu passes de 3 à 2, ça fait fleurir le trafic. Puis quand tu vois qu'en ce moment, tu as 50 000 entrées entre les vidéos et tout ça, et encore nous, pareil, hein, on a de la chance, on n'a pas de shopping, on a peu d'ads, on n'a pas d'image, on est quand même plutôt tranquille. Mais bon, tranquille, ça veut déjà dire que là, tu vois, par exemple, l'ancien algo, ça c'est super intéressant. L'algo qui vient de tomber, là, je sais plus descendre, ça, je crois, c'est ça. L'algo qui est tombé, il a repondéré certaines intentions. Et par exemple, l'intention résultat loto est devenue une intention marque. Donc par exemple, le résultat loto, il est hyper affilié à FDJ. Et la SERP, elle affiche que 5 résultats, je crois, comme une Ah marque. ouais. Et ouais, bah là, tu pleures, quoi. Donc, nous, je crois qu'on est cinquième, je sais pas, mais en tout cas, quand tu as un site qui commence à prendre deux places et tout ça, t'es cinquième, tu prends plus rien. Donc, c'est pour ça que la course au positionnement est vraiment intéressante, mais on se rend compte que c'est plus du tout une course au lien, tu vois. Genre, nous, si je compare à ce fameux concurrent historique, si c'était juste une question de lien, ça ferait bien longtemps qu'on serait devant. Ouais. Sauf que c'est pas du tout qu'une question de lien. Si c'était une question que de contenu, c'est pareil. Mais il y a autre chose, quoi. Il y a autre chose sur notre thématique. Il y a du coût pour Google. Il y a de la rapidité. Il y a de l'histo, forcément. Il y a tout ça. Et Ouais, il y a du aujourd'hui, ça trend prend du aussi, poids, quoi. hein. Le trend sur la marque, quoi, hein. Ça, c'est... Bonjour, Antoine. Il y a des gens qui arrivent à 17h20. C'est Ben rigolo. écoute, Bon, les amis, on va. ils ont bien raison. Bah oui, on va boucler. Attends, juste, attends, quitte à terminer pour être Ah non, tu te complet, remets pas tout nu, hein. non. Quitte à terminer pour être complet, juste un petit truc, je vais en faire un article là, mais moi, quand je dis que je fais un article, je mets 3 mois à le faire. Mais en tout cas, on a eu un truc marrant, ça, on a une petite histoire sur le nom de domaine tiragegagnant.com, sans tiret. Pour la petite histoire, c'est pour ça que c'est intéressant quand vous faites un site internet, si vous avez décidé d'en faire un site avec un truc brandable, ne faites pas comme moi ou Simon, ne faites pas les pinces au début en disant vas-y, je prends tiragegagnant.com avec un tiret, puis je m'en fous du reste. Parce qu'on a mis 2 ans à galérer avant de récupérer les .fr, qu'on a acheté à des gens et tout ça, alors c'était que dalle, hein, parce qu'ils valaient rien, tu vois. Jusqu'en 2017, où il y avait tiragegagnant.com qui était en vente sur Auction GoDaddy. Donc moi, comme un vieux nul, je fais une pauvre enchère pour Ave et puis je ne suis pas l'enchère, tu vois. Je me dis, bon, tiragegagnant.com, tout le monde s'en fout, de toute façon, je vais mettre une enchère à 20 balles et puis c'est bon. Sauf que, putain, on s'est fait acheter par Huge Domain, qui a mis genre 30 dollars. Et là, le soir, j'arrive et je fais, oh putain, on a perdu l'enchère, je sais pas ce que je branlais à 17h. Oh merde! Et je fais putain. Et là, je vois, ils ont monté leur petit site parking, 3 900 dollars. Je Eh fais, ouais. oh les bâtards! Ah les fils de chien! Donc, du coup, je me suis rongé le frein pendant 2 ans. Et puis ensuite, j'ai passé un an à leur faire des petites offres. Autant dire que Huge Domain, ils en ont, mais rien à carrer de tes offres. Genre, ils ont mis 3 900, ils te font un petit plan 24 mois. Je vais te dire, les mecs, je leur ai proposé 1 500, tu vois, pour un nom de domaine qui a rien. Les mecs, ils m'ont même pas répondu. Du coup, après, je leur ai fait 2 500. Ils m'ont dit, bonjour, 3 700. Bon.
Et finalement, là, on l'a fini par l'acheter il y a une semaine, 3006, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, notamment sur BFM ou quand on passait à la radio, bah, tirage-gagnant.com, c'est affreux, quoi. Et dans un souci de branding, on est obligé, si on veut, pareil, dans cette souci de valo, on est obligé d'avoir le nom de domaine, en fait, et de le récupérer. Donc, Ça faites pas s'appelle de la la connerie. protection de marque, en fait, hein. Ouais. C'est C'est tout. ça. Et Et ouais. du coup, voilà. Donc, faites pas les cons si vous voulez pas voir un petit fois 100 chez nos amis. Mieux que de la crypto, ouais. Faites de l'achat-revente de nom de domaine de marque. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, le domaining, c'est ça aussi, hein. C'est détecter ces domaines-là où tu sais que ben, à la fin, il y a bien quelqu'un qui va l'acheter, surtout qu'il y a quand même quelqu'un qui en chérit, quoi. Donc, Mais en fait, sur ce truc-là, je me suis dit, je suis bête parce que du coup, moi, je mettais l'intention, enfin, je mettais la valeur à zéro, tu vois, parce qu'il avait effectivement rien, ce nom de domaine. Sauf que dans les trends de marque, en 2017, il y avait genre 10 000 requêtes sur tirage gagnant par mois. Et j'avais pas du tout fait le lien en me disant, ah bah tiens, si, c'est une KPI, tu vois. Puis je dis, Ben non. Et j'ai pas du tout fait gaffe. Et donc, les mecs l'ont pris, alors que pour moi, il valait rien parce que, tu vois, ça valait rien, quoi. Et donc voilà. Donc, j'ai appris, tu vois, en 3 ans. Je me suis dit, ah ouais, bon. Et là, ça fait mal au cul, hein, quand tu lâches 3 000 balles pour un nom de domaine pour juste faire une 301, pour te dire que les gens qui vont miscliquer, ils vont aller sur ton site, ça fait chier, quoi. tu m'étonnes. Mais bon, voilà. Eh ben ça marche. Merci mon Nico. Yes, écoute, bisous, mon C'était Fredo. très Merci à tous. intéressant. Ouais, mais t'es toujours affiché. Écoute, tu peux rester. On dira au revoir ensemble à la fin. Yes. Si vous avez aimé, cliquez sur un pouce. Vous connaissez la chanson normalement. Je propose du coaching SEO à l'heure, à la journée, à la semaine, comme vous voulez. Je vous invite aussi. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Enfin, on a fait un live audit. Ben écoutez, s'il y en a qui sont motivés, contactez-moi. Je suis toujours motivé, moi, pour faire un live audit. Ce sera sur mars ou avril, hein. Semaine prochaine, on a Michael Chalet qui viendra nous rendre visite. Ben, la semaine au ski et dans le cululu. Le 2 février, on aura Paul Sanchez qui viendra nous rendre visite. On aura Laura Blanchard le 9 février. On aura Patrick Valibus qui reviendra sur le stream le 16 février. On aura Sandrine Bertrand le 23 février. Et puis, ben, je vous réserve encore bien des surprises. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À ciao, ciao. Des bisous. Allez, des bisous, toujours.